J'ai dit, dit que le, les, les notes, euh, donc l'exposé 1 c'est déjà sur mon site, l'exposé 2 ça sera demain sur mon site, l'exposé 3 ça sera à la fin de la semaine. Cécile a presque terminé de les taper. L'exposé 4 d'aujourd'hui, il faudra attendre plus longtemps parce que Cécile va partir en vacances, donc il faudra attendre euh, certainement quelques semaines. En revanche, les, les vidéos des, des, des trois premiers cours sont sur le, le site et celle de l'exposé 4, je pense c'est un jour ou deux, c'est ça. Hein. 48 heures. Voilà. Euh, alors, euh, donc pour Alain code qui n'était pas là les fois précédentes, je vais euh, juste un peu ce qu'on a fait. Donc, dans l'exposé 1, j'ai euh, exposé le, le, le problème euh, d'exprimer la fonctionnalité de l'anglance en termes euh, de transformation de Fourier de formule de Poisson. Hein, donc la situation, c'est qu'on est sur un corps global f, donc un corps de fonction ou un corps de nombre, et euh, on considère un groupe réductif euh, G sur F qui est quasi déployé, euh, et enfin on considère une, une représentation de transfert, c'est-à-dire un homomorphisme qui va du produit semi-direct du groupe dual de G, donc c'est un groupe réductif complexe, un produit semi-direct avec le groupe de Galois de F, vers GLR de C. C'est une représentation de, de ce groupe. Et euh, d'après Langland, euh, il y a un transfert automorphe de G vers GLR qui est induit par ça. Alors, euh, euh, donc dans l'exposé 1, euh, j'avais euh, en quelque sorte posé trois problèmes successifs. Euh, le problème 1 euh, euh, consistait à associer à ρ. Euh, un opérateur euh, de re-transformation de Fourier sur euh, g de fx en toute place euh, x de f. Et euh, les deux premières propriétés qu'on demandait euh, à cet opérateur de retransformation de Fourier, euh, ah oui, alors c'est un opérateur de, de quelle forme Donc il a la forme suivante. Euh, à f(x), on associe sa transformation de Fourier, qui est une intégrale sur G de f(x) euh, d indice ρg G, euh, euh, fois euh, une certaine fonction noyau k(x de euh, donc ici la variable c'est g prime euh, de g g prime que multiplie f de g. Euh, donc ici on veut une fonction invariante par conjugaison. Et euh, ici, c'est une mesure sur le groupe qui se transforme suivant un certain caractère, euh, enfin, suivant la norme euh, d'un certain caractère algébrique d'être euh, un que j'avais introduit. Euh, bon, donc on veut une transformation de Fourier de cette forme. Comme ceci est invariant par conjugaison, bien sûr, la transformation de Fourier doit être compatible enfin, aux translations à gauche et à droite. Hein? Donc euh, on cherche des transformations de Fourier de cette forme, et les deux premières propriétés qu'on leur demande c'est l'unitarité donc ça définisse un opérateur unitaire euh, que ça préserve le produit hermitien euh, et euh, que ça soit euh, compatible avec euh, le passage au terme constant donc le passage au terme constant c'est quand j'ai une fonction f je lui associe l'intégrale euh, sur une fonction f sur le groupe sur, euh, sur le, le radical unipotent de n'importe quel sous-groupe parabolique standard euh, du de f euh, de tu euh, euh, voilà qu'on multiplie alors ici il y a euh, bon il y a des facteurs de correction d'abord il y a le, le, le facteur classique et delta euh, enfin le, le, le caractère modulaire euh, delta p de t euh, norme x à la puissance 1,5 demi euh, ça et puis euh, le caractère qui est là le det rho il s'écrit comme un produit de deux caractères que je note det G et det euh, euh, B. Bon, le, et, euh, en fait, il y a un, un caractère det euh, B, euh, même det P pour chaque sous-groupe parabolique, et ici il y a un terme correctif qui est du det P euh, x à la puissance 1,5. Donc il y a un, nécessairement un tel euh, caractère. Le, bon, voilà. Donc ça c'est les deux. Ça c'est le problème 1. Le premier problème qui est posé, euh, le problème 2, euh, c'est euh, un problème qui se pose en toute place ultramétrique euh, du corps euh, global qu'on considère. En une telle place, on doit définir euh, un espace euh, de roue fonction. Euh, qui doit vérifier les propriétés suivantes. Il est euh, stable par euh, translation à gauche et à droite, euh, et stable euh, par euh, la transformation de Fourier. Par la retransformation de Fourier, on est dans ce cadre-là. Euh, espace de refonction, c'est bien sûr sur G de Fx. Il y a également des compatibilités avec le, le, le passage au terme constant, c'est-à-dire quand on prend une ρ-fonction, ces termes constants sont encore des ρ-fonctions, ces, ces termes constants, ces termes-là. Euh, et euh, euh, il doit y avoir une caractérisation spectrale. Ce qui est normal étant donné qu'il est stable par translation à gauche et à droite, donc une caractérisation spectrale à la fois de cet espace et de la transformation de Fourier agissant sur lui. Et ça signifie que la connaissance de cet espace est équivalente à euh, la connaissance de facteurs L et ε euh, des représentations euh, qu'on appelle lisses admissibles et réductibles, celles qui interviennent dans la, la décomposition spectrale des fonctions. Euh, et donc, ces facteurs L et epsilon doivent être associés à ρ. Voilà. Donc, euh, j'avais précisé, donc ça c'était le problème 2. Et puis, euh, le problème 3, euh, c'était euh, de trouver, euh, un, euh, d'avoir euh, une certaine formule de Poisson. Donc, pour avoir une formule de Poisson, la première chose à faire, euh, c'est de définir une fonctionnelle de Poisson. Donc euh, ça veut dire la chose suivante, si on a euh, f une rho fonction globale, donc ça veut dire un, un produit de refonction locale, ou euh, euh, une combinaison linéaire de tels produit, euh, eh bien on veut pouvoir lui associer euh, quelque chose qui ressemble à l'évaluation sur f, sur, la, sur les, les points de g à valeur dans le corps de nombre. Alors f ρ euh, fonction globale, ça, donc ça veut dire une fonction sur g des adèles, hein, Donc on veut euh, f de gamma, euh, plus des termes complémentaires, hein, euh, plus euh, euh, des termes complémentaires euh, pour définir quelque chose euh, qu'on va noter, euh, entre guillemets, euh, euh, sous cette forme-là. Hein, je mets des guillemets parce que ce n'est pas une évaluation. Mais j'avais proposé une forme conjecturale pour une telle fonctionnelle de Poisson. Et donc une fois qu'on a ça, la, la, la formule de Poisson, c'est de dire que ceci est égal à la même chose pour F chapeau. Voilà, que c'est. Ben oui, alors euh, bon, j'avais proposé, donc euh, si euh, tu regardes dans mes, dans mes notes, hein, j ai, j ai, je donne une formule conjecturale. En fait, ce n'est pas seulement conjecturale, parce que je sais que si j'ai la fonctionnalité, alors la définition que je propose euh, de la fonctionnelle de Poisson est, euh, est correcte et elle vérifie la formule de Poisson. Mais c'est pas Mais euh, dans l'exposé d'aujourd'hui, à un moment je vais préciser un peu ça. Euh, donc, le, voilà, c'est les. les euh, mais disons, euh, le, la première propriété du terme complémentaire, c'est la suivante c'est que si on prend une fonction globale, qui est, qui est un produit de fonction locale, et qu'en au moins une place, le facteur local est une fonction à support compact dans le groupe, alors y a, le terme complémentaire s'annule. Voilà. Donc ça, ça, ça correspond au fait que c'est bien quelque chose qui est sur le bord. C'est sur le bord. Hein, C'est-à-dire c'est supporté sur le bord. Euh, voilà, donc ça c'est les problèmes posés. Alors euh, dans l'exposé le, 2, euh, donc ça j'ai résumé l'exposé 1, euh, l'exposé 2, euh, 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 j'avais examiné le cas des torts, c'est-à-dire qu'on euh, on a notre euh, représentation de transfert. Euh, qui induit un homomorphisme entre le tor maximal de G chapeau, qui est le, le tor dual du tor maximal de G, et qui va vers le tor maximal de GLR, c'est-à-dire C fois puissance R. Hein? Et je suppose, euh, ici il y a une hypothèse supplémentaire qu'on fait, c'est-à-dire on suppose que gamma F agit sur l'espace C puissance R de ρ euh, par permutation des vecteurs de base. Bon, alors un ensemble fini muni d'une action du groupe de Galois, euh, bien sûr, c'est la même chose qu'une algèbre séparable. Hein, donc euh, ça, ça, ça permet de définir E, une algèbre séparable euh, sur F de degré R, et euh, on définit le tort TE qui est égal à la restriction des scalaires à la veille de E à F de Gm. Donc c'est un tore de, de dimension euh, R. Bien sûr, si euh, E c'est F à la puissance R, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'action du groupe de Galois, on a simplement Gm à la puissance R. Et euh, ce qu'on a alors, c'est que ceci s'identifie au dual du tore TE avec l'action du groupe de Galois. Et euh, par conséquent, cet, homo cet homomorphisme admet un homomorphisme dual qui va de Te dans T euh, et qui est défini sur F. Et en fait, on a une suite exacte de tores. Avec un noyau que je note T1-10. Euh, voilà. On a une suite exacte de tort euh, comme ça. Euh, et, euh, et alors, euh, le, donc le, le contenu de l'exposé 2, ça consistait à dire que, bien sûr, TE se plonge dans l'espace linéaire TE bar, qui est simplement la restriction des scalaires à la veille de l'espace affine, de la droite affine. Et euh, là-dessus, Enfin, sur les points de sa valeur dans les adèles, bien sûr, il y a la formule de Poisson linéaire classique. Et donc, donc ici, il y a une transformation de Fourier, il y, a une, une, il y a une transformation de Fourier, il y a une formule de Poisson, et en, en prenant les invariants sous l'action de ce, ce sous-tor, eh on en déduit à la fois une notion euh, de euh, transformation de Fourier ici, euh, on en déduit une notion de fonctions à chaque place. On prend les fonctions localement constantes à support compact ici et on les intègre. Alors on obtient ici des fonctions qui ne sont plus localement constantes à, enfin, à support compact, hein, mais c'est des fonctions qui sont obtenues à partir de celles-là par ce processus. Et euh, on a pour euh, ces, euh, ces fonctions, pour les fonctions globales, on a une fonctionnelle de poisson bien définie et qui vérifie la formule de poisson. Euh, alors, quand je dis bien défini, déjà dans ce cadre-là, les termes complémentaires, les termes du bord, ce n'est pas donné par des évaluations. C'est des choses, tout simplement parce que euh, on peut effectivement prendre le quotient de ça, de T bar par t rho, euh, mais euh, les points sur le bord euh, se mettent à avoir des fixateurs beaucoup plus gros. Euh, et donc, ce n'est pas une évaluation, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Mais, euh, donc, voilà, on avait ça. Et puis alors, euh, dans les, donc ça c'était l'exposé 2. Et enfin l'exposé 3, c'était un exposé de, de calcul sur GL2. C'est-à-dire qu'on considérait euh, la, la, la chose suivante. Dans, les, dans le cas de l'exposé 3, euh, on prenait euh, G chapeau, le dual est égal à GL2 de C, euh, divisé par les racines KM de l'unité. Est muni de la représentation ρ qui est la puissance symétrique km. Hein, donc c'est les. les euh, voilà, GL2 de, euh, pardon, GLK plus 1 de C. Hein, et euh, donc on avait. Euh, le G, G chapeau était dual d'un certain groupe G euh, qui s'inscrivait dans un carré cartésien comme ça. Donc il y avait GL2, ici GM. Euh, ici, euh, on va vers GM, ici, on a le déterminant, et là, c'est simplement l'évaluation à la puissance k. Hein, G était euh, obtenu comme produit fibré, comme ça. Euh, voilà, enfin, c'est les, les, euh, les, en quelque sorte les, les, les représentations irréductibles de GL2. Hein, le... Donc, on avait examiné ce cas-là, et dans ce cas-là, euh, on avait montré, enfin, on avait montré, on avait fait des, des calculs euh, en fait assez compliqués. Euh, le... Euh, et euh, qui jusqu'à présent sont des calculs euh, au moins en partie formels, c'est-à-dire que je n'ai pas vérifié euh, toutes les convergences et les, et les échanges d'intégrales qu'on a. Mais euh, modulo cette vérification, et là j'insiste encore une fois sur le fait que, pas, euh, que, que y a, y a encore, ça a encore besoin d'être vérifié, hein, le, euh, mais modulo ces vérifications, on avait euh, euh, dans ce cas-là montré comment euh, définir... Euh, des noyaux, euh, c'est-à-dire des fonctions caro-x, euh, comme j'ai dit ici, euh, qui vérifient les, les deux propriétés, euh, 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 c'est-à-dire qui vérifient les conditions du problème 1, c'est-à-dire à la fois, ça définit un opérateur unitaire, deuxièmement, c'est compatible avec le passage au terme constant, donc enfin, on l'avait montré dans l'ordre inverse, d'abord que c'est compatible avec le passage au terme constant, c'est-à-dire, bon, ici, il y, y a un seul sous-groupe parabolique, qui est le, le, le Borel. Le, euh, donc, la compatibilité avec la transformation de Fourier sur le tor de, de GL2, euh, qui est déjà définie par quotient d'après l'exposé 2. Euh, et donc, on avait défini ça. Euh, ensuite, on avait vérifié que, euh, donc, modu... donc, par des calculs formels, là, euh, que, euh, euh, que le. Euh, la, la, enfin, disons, ce qu'il suffisait d'avoir pour que la, la propriété d'unitarité soit vérifiée. Encore une fois, Donc, pour les noyaux que j'ai introduits, euh, il semble que ça soit vérifié, mais encore une fois, modulo, c'est vérification euh, de, euh, de, de convergence et d'échange d'intégrales. Et puis, euh, en fait, euh, là, on avait réalisé euh, la chose suivante c'est-à-dire que le calcul que j'avais fait euh, pour euh, démontrer la propriété d'unitarité, euh, en fait euh, euh, semblait donner une propriété supplémentaire, euh, qui était la chose suivante, c'est-à-dire que pour euh, euh, regarder la, 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 la propriété d'unitarité, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait deux fonctions, f' et f seconde, euh, et euh, on regardait leur transformée de Fourier, voilà. Et on intégrait. On cherchait à calculer cette intégrale et on cherchait à montrer que c'était le produit des Hermitiens de f' et f'. Bon, et puis on avait donc ce calcul euh, qui, euh, le, donc s'il est correct, si. si, si euh, pour le moment, c'est un calcul formel, ou au moins en partie formel, mais euh, s'il est correct, euh, il indique euh, sous quelles conditions le, le, le noyau qui définit la transformation de Fourier euh, vérifie la propriété d'unitarité. Mais alors, ce qu'on avait fait ensuite, c'est. Euh, on avait remarqué que dans le calcul, on pouvait aussi. Euh, reprendre les mêmes arguments avec non pas deux fonctions, mais trois fonctions. Euh, et alors ça, euh, ça correspond à faire la chose suivante, ça correspond à s'intéresser à la transformation de Fourier de la multiplication. C'est-à-dire, donc ça c'est une, une remarque toute bête, absolument évidente, le, en un sens. Euh, mais à ma connaissance, ça n'avait jamais été étudié. C'est la chose suivante c'est que le, quand on est dans le cas de la transformation de Fourier classique, bien sûr, on sait que la multiplication correspond au produit de convolution. Le produit de convolution est défini par les translations additives. Bon, et les translations additives, c'est une structure qu'on a dans le cas linéaire classique qu'on ne risque pas d'avoir dans le cas général. Par exemple, déjà dans ce cas-là, évidemment, on ne l'a pas dès que k est au moins égal à 2. Mais. Euh, ce qui existe toujours dans ce cas-là, c'est le produit point par point des fonctions. Et donc, on peut se demander, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la transformation de Fourier du produit point par point des fonctions Ça a un sens de se poser cette question et de se demander si, euh, par hasard, il n'y a pas des choses intéressantes à dire là-dessus. Et alors, la propriété qu'on avait, euh, euh, qu avait vue apparaître la dernière fois dans ce cas-là, à travers ce calcul qui, euh, qui pour l'instant, est un calcul formel, euh, mais euh, bon, dans lequel j'ai quand même une, une certaine confiance le, le, donc c'est la, la, la propriété qu'on avait, qu enfin, qu avait vu apparaître euh, par le calcul c'était la suivante, c'était que cet opérateur de transformation de Fourier de la multiplication point par point euh, stabilise l'auteur donc il stabilise le sous-groupe de Borel donc ça veut dire la chose suivante donc voilà l'énoncé euh, qu'on avait vu apparaître dans ces cas-là euh, mais qui, a une, euh, qui bien sûr a un sens en général. Et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer d'explorer, en, en supposant qu'on a une transformation de Fourier qui vérifie ça. Hein? En fait, je pense que si les calculs sont, sont, que j'ai faits pour GL2 sont corrects, ça devrait marcher aussi pour un groupe arbitraire. Euh, mais donc, pour le moment, bien sûr, ce n'est pas démontré. Et même euh, dans le cas de GL2, il y, y a euh, des vérifications à faire que jusqu'à présent, je n'ai pas faites. Mais do donc aujourd'hui, on va simplement se fonder là-dessus. Donc la propriété est la suivante. On suppose que euh, on est sur g de f de x. Et on suppose qu'on a deux fonctions euh, euh, sur euh, g de f de x qui sont continues. Plus euh, de carrés intégrable. Donc, euh, on, a bien, on, on peut parler de la transformée de Fourier de ces fonctions. Je peux parler de F2 chapeau euh, et de F1 chapeau. Et je suppose que les transformées de Fourier sont reliées par une formule euh, qui a la forme suivante. Alors, ici, ça, c'est quoi C'est une fonction unitaire. fonction unitaire qui va de g de f de x dans le cercle. Alors bien sûr, la multiplication par une fonction unitaire définit un, 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 un automorphisme unitaire de l'espace des fonctions de carré intégrable, et on peut se demander quelle est la transformée de Fourier de cet automorphisme. Et donc, euh, la propriété, c'est la suivante, su, donc supposons qu'on ait une telle fonction unitaire, euh, telle que, sa euh, transformée de Fourier, vue comme une distribution, hein, ça a un sens de la regarder, c'est-à-dire comme une forme linéaire, est supportée par le tord. Supposons qu'on ait une, fo une fonction unitaire qui vérifie cette propriété-là. Sa transformée de Fourier est su supportée par le tord. Euh, alors, euh, sous ces hy donc cette hypothèse-là implique la chose suivante. Ça implique que F2 restreint au tord ne dépend que de F1 restreint au tort. Donc vous voyez que la, la, la transformation de Fourier de, de, euh, dans cette forme généralisée, déjà dans le cas classique linéaire, c'est quelque chose qui bien sûr ne stabilise rien. On a une fonction. Euh, euh, on prend sa transformée de Fourier, ben la valeur de cette transformation de Fourier en un point dépend de la fonction qu'on a transformée en tous les points. Ce n'est pas du tout localisé. Au contraire, ça mélange complètement les choses. Mais, euh, en revanche, la multiplication par une fonction, ça, c'est ponctuel. Bon, et puis, quand on prend l'opérateur de multiplication par une fonction et qu'on le conjugue par la transformation de Fourier, a priori, on ne sait pas. Et donc la propriété qui euh, est apparue la dernière fois dans le calcul, euh, le, enfin dans le calcul formel, c'est que euh, si ce calcul est correct, eh bien, euh, malgré tout, le, dans cette situation-là, euh, on voit que le, la conjuguée de la multiplication par phi par la, la, la transformation de Fourier vérifie une certaine propriété de localisation. C'est-à-dire que euh, la, la, la valeur d'une fonction en un point du tort, ne dépend que de la valeur de la fonction de départ en les points du tord. Hein? Vous voyez que, par exemple, pour la transformation de Fourier classique, bah, le, le produit de convolution vérifie cette propriété, parce que quand vous avez... Euh, de, donc là, le produit de convolution, il est donné par la, la somme. Si vous avez deux éléments du tord, leur somme est encore dans le tore. Mais donc, ce qui est apparu dans le calcul la dernière fois, c'est que apparemment, euh, cette, euh, cette euh, propriété euh, Reste vrai, au moins dans ce cas-là. et euh, Donc je vais supposer aujourd'hui, euh, enfin je vais essayer d'utiliser le fait que euh, peut-être cette propriété est vraie en général. En tout cas, je vais m'intéresser, voilà, donc j'ai fait mon résumé, euh, euh, je vais m'intéresser la... aux opérateurs de... De unitaires, de multiplication par des fonctions unitaires et à leur transformer de Fourier une question qui est que quand on prend la transformée de Fourier classique sur R, il oui. y a une formule qui la donne, qui fait intervenir l'opérateur de multiplication par une fonction unitaire, qui est le rapport de la valeur de la fonction gamma avec sa conjuguée sur la droite 1,5 plus IS. 1,5 plus IS sur 2. Oui. Euh, C'est-à-dire que si tu veux, on, on, ce qu'on sait, c'est que la transformée de Fourier, c'est le produit de l'inversion par. Euh, la convolution par, cette, par la tension de Fourier de cette fonction. Et, et ça, c'est exactement un opérateur comme le tien. Est -à euh, alors je me, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un analogue de ça dans ton, dans ton cadre Oui, donc euh, euh, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que je veux dire, ça, c'est une chose extrêmement frappante de la tension de Fourier. C'est-à-dire qu'en fait, la tension de Fourier, de manière secrète, c'est simplement une convolution. Par une, une. au niveau du groupe multiplicatif, pas du groupe. Multiplicatif. Ah oui, 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 oui. Et la raison, elle est simple, c'est. Non, mais certes, enfin la, la formule qu'il a définie, c'est une convolution, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, 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 oui. Sauf que tu as l'inversion. Tu as l'inversion. Alors, euh, ma question, c'est. C'est avec... euh, si, si. en fait, la, la, la composition de l'inversion avec une formule de convolution. Mais cette formule de convolution, il te fait que justement. C'est la convolution sur groupe multiplicatif par une fonction dont la propre transformée de Fourier est unitaire. justement. Oui, donc, le, donc là aujourd'hui je vais parler d'autre chose. Hein, alors, euh, donc je veux parler des opérateurs unitaires de multiplication, et euh, donc euh, d'abord je vais examiner le cas des torts. Donc fonction unitaire. Euh, sur euh, les torts euh, alors le, les torts à hein, la situation que j'ai écrite là-bas euh, donc je suis dans cette situation que j'ai écrite que j'ai décrite alors euh, dans cette situation il y a une définition évidente euh, qu'il faut poser euh, euh, qui est que bon le tort euh, euh, le tore euh, euh, t est écrit comme un quotient de ce tore, mais on peut également former le quotient de, de cette variété, qui est une variété torique, euh, par ce, ce sous-tor. Et ici, en quotient, on va obtenir une variété torique de tore t. Hein, donc la définition, c'est euh, euh, la chose suivante. Donc je vais noter t bar égale euh, t e bar, avec la notation de là-bas, divisé par l'action du tort terreau. Hein? Alors ça veut dire quoi Donc ici, ça c'est quoi C'est une variété torique euh, de tore euh, T avec mes notations. Alors une variété, euh, c'est une var variété torique affine, bien sûr. C'est quotient, le quotient de quelque chose d'affine. On sait qu'une variété torique affine c'est donné par un cône convexe polyédral. La... Donc là, on peut euh, préciser quel est le, euh, le, le cône convexe. Euh, donc dans le, 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 le groupe des, des, des co-caractères, eh euh, c'est euh, euh, le, le cône engendré euh, par les ρTi. Alors qu'est-ce que c'est que les Bah ben, C'est les composantes de ρT. Ça va de T chapeau euh, dans euh, C fois la puissance R, euh, voilà, donc euh, euh, les roTI sont des caractères de, de T chapeau, autrement dit ce sont des co-caractères de T. Je considère le code convexe engendré. Voilà. Et euh, bon ben, euh, donc le, 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 le cône dual, c'est euh, l'ensemble des caractères euh, de t euh, tels que le produit scalaire avec les roTi est supérieur ou égal à 0, quel que soit i. Voilà. Donc le, cette variété torique est définie par ceci ou bien par cela. Euh, euh, alors une remarque qu'on peut faire, c'est que euh, ce cône, bien sûr, est stable par l'action du groupe de Galois. Donc ça, ça a une conséquence, c'est que cette variété torique est définie sur F. Euh, D'autre part, une autre propriété importante euh, qu'on va utiliser plus tard, c'est que ce cône est aussi euh, stable par l'action du groupe de Weil. Hein, parce que euh, cette représentation provient d'une représentation du groupe. Euh, donc ce, cette chose-là est stable par l'action du groupe de Weyl. Alors, euh, donc, on a cette définition. Alors maintenant, on a un lm. Euh, oui, avant que je... Euh... Oui, alors ici, euh, ce, cette chose-là, euh, bah, c'est quoi Qu'est-ce euh, euh, qu que c'est qu'un caractère comme ça bah, C'est euh, donc un caractère de t dans gm, hein, un caractère euh, tel qu'il euh, se prolonge. En un morphisme équivariant de T bar dans A1. Hein, c'est la définition de, de ce cône. Hein, là, je suis en train de dire des, choses, des propriétés générales des variétés théoriques. Bon, alors maintenant, prenons un, un tel caractère dans euh, le cône euh, XT bar associé à cette. Euh... Voilà, exactement. Hein, donc, il euh, n'y a pas de pôle, donc c'est partout défini euh, sur T bar. Hein, c'est. Euh... Alors, je me donne un tel caractère. Le... Bon, euh, ce caractère, il n'est pas nécessairement fixé par l'action du groupe de Galois, euh, mais euh, je peux regarder l'orbite de ce caractère pour l'action du groupe de Galois. C'est un ensemble fini, mais il dit une action du groupe de Galois. Donc, il lui correspond une algèbre séparable. Un, pardon, il lui correspond un corps. Hein, l'action est transitive, je prends l'orbite. Donc, un corps, extension finie de F. Voilà, je note ça e qui. vais euh, toujours utiliser cette notation. Euh, dans un premier temps, bien sûr, vous pouvez penser e qui égale f. Euh, voilà. Donc, ça correspond à euh, l'action de euh, gamma. F. Donc, c'est une extension finie euh, de f. Ça correspond à l'action de gamma f sur euh, l'orbite euh, du caractère qui. Alors, euh, ben la, la première propriété, bien sûr, c'est que euh, on a, quand on prend la collection de qui et de ses transformés par l'action du groupe de Galois, euh, eh on, on obtient quelque chose qui est défini sur F, que j'appelle qui F, et qui va de T dans euh, la restriction des scalaires à la veille de E qui à F euh, de Gm. Bon, donc ça c'est au niveau des torts, c'est un homomorphisme de tort comme ça mais ensuite ça se prolonge donc on a un morphisme comme ça voilà euh, et euh, donc la deuxième propriété c'est que euh, euh, si euh, qui euh, décrit tout le cône xt bar, euh, eh bien, euh, bien sûr, ou, ou pas seulement, ou peut-être pas tout le code, mais simplement une famille de générateurs de ce cône, alors les, euh, ces morphismes associés fournissent des un système complet de coordonnées. une hein, propriété générale des variétés toriques. Bon, alors, euh, euh, donc voilà, on a ça. Alors ça, ça nous permet euh, de définir euh, de manière euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, facile, là. ça nous permet de définir euh, des fonctions unitaires. Donc euh, c'est une définition supplémentaire. Euh, donc on se donne un tel caractère appartenant à XT bar et puis on, plan, on prend une place de f quelconque, hein, même archimédienne éventuellement. Et alors je vais euh, et enfin on se donne un élément que je note c indice x qui est dans e qui x. Alors e qui x ça veut dire quoi Ça veut dire e qui produit tensoriel sur f avec fx, le corps complété de f en la place x. Bon, donc je suppose que j'ai ça, et euh, alors je peux lui associer une fonction unitaire, c'est-à-dire une fonction qui définit non pas simplement sur t de fx, mais sur t bar de fx, à valeur dans le cercle. Alors la fonction, elle est, elle est définie comment ben C'est le, le composé de la chose suivante, je prends t bar. De fx, d'abord par qui f, je l'envoie dans euh, ceci, à valeur dans fx, c'est-à-dire dans euh, justement e qui x. Hein, les, e qui x, c'est quoi C'est euh, ce schéma-là de fx. Hein euh, bon, et puis là, je peux me permettre de multiplier euh, par l'élément cx que j'ai choisi, hein, qui est arbitraire, donc je reste dans e qui x. Et puis là, euh, sur UkiX, euh, je dispose de l'homomorphisme de trace qui va dans Fx. D'accord La trace euh, d'une du, euh, algèbre séparable sur Fx. Et euh, enfin, je rappelle que j'ai choisi une fois pour toutes hein, euh, un caractère euh, additif, non trivial, qui va des adèles de F divisé par F euh, dans le cercle unité. Et donc, ça a un sens de composer ici par ce caractère. Et comme ça, je vais dans U de 1. Voilà. Donc, je pose cette définition, et euh, comme ça, euh, j'ai euh, en fait une, une famille très large euh, de fonctions unitaires associées. Vous voyez à quelle donnée Donc, bien sûr, je choisis une place. Ici, je, je, pour une place que, que, euh, choisie, euh, je prends un caractère du, un arbitraire du cône, et puis ici, un coefficient. Hein, qui permet simplement... Euh, le coefficient euh, consiste à remplacer le caractère x par un, un autre caractère additif. Hein, donc je fais ça, et euh, évidemment je récupère une grande famille euh, d'opérateurs euh, unitaires. Alors... Euh, maintenant, il euh, y a une, ici une... Euh, J'appelle ça une proposition, mais ce n'est pas difficile du tout. Donc je prends x une place ultramétrique de f. Euh, alors, la multiplication euh, par les fonctions que je viens d'introduire préserve les espaces de refonction, en toute place, en toute place ultramétrique. Et euh, alors euh, ça, c'est euh, facile parce que, euh, euh, donc euh, le, pour la démonstration, euh, c'est la chose suivante, c'est que vous avez t bar de fx, mais alors t bar de fx, on a dit, c'est le quotient de te bar de fx. Et les ρ-fonctions ici, euh, elles sont déduites des, des, rho, des fonctions ici par intégration. Et ici, les ρ-e-fonctions les, les, les -e sur cet espace linéaire, c'est simplement les fonctions localement constantes à support compact. Donc, supposez que vous ayez votre fonction 1 qui c'est x à valeur dans u de 1. Bah, vous pouvez prendre son image réciproque ici. Vous récupérez ici une fonction qui est sur t bar de fx et qui est bien sûr localement constante. Donc si vous prenez une fonction localement constante à support compact, vous la multipliez par une fonction localement constante, vous gardez une fonction localement constante à support compact. Et voilà, la proposition est démontrée. les ben, Ce sont des fonctions unitaires sur t bar. Donc, euh, fatalement, euh, quand je les vois comme des fonctions unitaires ici, elles sont invariantes par terreau, c'est tout. Hein? Donc, cette proposition, elle est complètement triviale. Mais pas, donc, elle nous dit que ces, ces opérateurs préservent ces fonctions, euh, préservent l'espace des rho-fonctions, et euh, bah, évidemment, il y, y a une conséquence c'est que ça, la transformée de Fourier de ces opérateurs préserve aussi l'espace des rho-fonctions. Alors, euh, donc je dis ça là, là, dans ce sens-là, mais là, ici, là, on peut faire des remarques. C'est que, euh, supposons qu'on qu ne connaisse pas l'espace des re-fonctions. Plus exactement, supposons qu'on en connaisse seulement une, une re-fonction non nulle, n'importe laquelle. Et considérons le plus petit sous-espace qui contient cette refonction, qui est stable par, addition, par, euh, par translation multiplicative, qui est stable par transformer de Fourier et qui est stable par ses opérateurs. Ben alors c'est tout l'espace des fonctions. C'est une, une simple remarque. Euh, alors, euh, maintenant, euh, bon, je viens de parler de la transformation de Fourier euh, de ces opérateurs. Donc déjà, je peux euh, définir la, la je peux regarder la... la la, la transformée de Fourier, de ses fonctions elles-mêmes, de ses fonctions unitaires. Alors, euh, de manière euh, plus générale, euh, si je considère φx euh, x euh, euh, de t de fx euh, dans euh, u de 1, une fonction euh, mesurable, bien sûr, mais enfin, je ne mets pas d'autres hypothèses, eh bien, euh, je peux lui associer euh, sa transformée de Fourier euh, simplement comme forme linéaire. Donc, la, la, la forme linéaire de, de la transformée de, de euh, Fourier de, de cette fonction euh, phi x, c'est quoi euh, Eh bien, euh, c'est l'intégrale sur t de fx dt euh, phi x de t fois euh, la transformée de Fourier euh, de t. Alors, ici, quand est-ce que c'est défini Il faut prendre ici des fonctions de carré intégrable, plus la propriété que la transformée de Fourier de la fonction est intégrable. Donc ça définit un certain espace, et euh, ceci est défini en tant que forme linéaire sur cet espace. Voilà. Euh, en fait, non, on n'a pas besoin parce que... Euh, le noyau vérifie la, la propriété que, euh, donc ce noyau euh, K10, k, k, k de, de l'élément t, il vérifie la propriété que k de t bar est égal à k de moins t, comme dans le cas classique. Et ça, 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 ça dit que je peux vraiment... Il y a, voilà. Hein, donc il n'y a pas besoin de bar, c'est vraiment ça. Euh, alors, euh, maintenant... Euh, j'ai le... Maintenant que j'ai défini la, la, la transformation de Fourier des, des fonctions unitaires, j'ai le lemme suivant. Euh... Donc je reviens euh, aux fonctions euh, e qui cx euh, définies comme là-bas. Euh... Et euh, bien sûr, je dispose aussi de un qui cx que je peux composer avec euh, la projection. Hein, je dispose de ces deux fonctions. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on lemme relie simplement les, euh, la transformée de Fourier de ceci, la transformée de Fourier de ça. Hein, donc alors, bah d'abord, quand je prends... Euh, euh, cette, euh, donc je prends ceci, je regarde sa transformée de Fourier, donc c'est la, la transformation de Fourier sur l'espace linéaire TE bar, et euh, bien sûr j'ai que ceci est invariant euh, par terreau. Euh, deuxièmement, euh, si on a une fonction fx sur euh, TE de fx et une fonction x euh, sur euh, T de fx telle que la fonction fixe euh, soit euh, euh, obtenue à partir de la première par intégration le long des fibres hein, ce que je note comme ça, l'image directe euh, et puis euh, bon, avec des hypothèses que, euh, ceci soit de carré, que les deux soient de carré intégrable que leur transformé de Fourier soit, euh, soit intégrable bon, ben, on a euh, dans, dans ce cas là que le euh, la transformée de Fourier en bas euh, de la fonction phi x euh, 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 est égale à euh, la transformée de Fourier en haut hein, de l'autre fonction euh, appliquée à la fonction fx. Voilà, donc on a cette propriété-là. Euh, euh, voilà on a cette propriété. Euh, alors, euh, donc, l'avantage de cette propriété, c'est que, euh, donc, euh, bien sûr, on connaît beaucoup mieux la transformation de fourier en haut. et en particulier, on sait comment elle se comporte euh, au niveau des supports. Euh, alors, euh, afin de, de, de parler euh, des supports, on est obligé de, euh, de, de faire des rappels sur la théorie des variétés toriques. Donc, euh, là, ce que je vais dire est euh, d'abord euh, relatif à une variété torique affine quelconque, Donc je considère cette variété torique T-bar de torté sur F. Alors, d'abord, ce qu'on sait, c'est que les orbites, alors les orbites géométriques, les orbites sur un corps gérer, sur F bar, les orbites géométriques de T bar, pour l'action de T, euh, sont en nombre fini et elles correspondent bijectivement aux faces C euh, du cône euh, Xt bar. Il y a une orbite pour chaque face. Euh, alors, euh, donc ces orbites, on va les noter t indice c. Hein, t indice c, c'est l'orbite qui correspond à la face c. Euh, on sait que c'est des schémas euh, localement fermés euh, qui sont définis sur toute extension finie de F, euh, F prime, euh, telle que la face soit stabilisée par le groupe de Galois Gamma de F prime. Hein, on sait ça. Euh, euh, on sait encore que euh, toute orbite euh, euh, comme ça euh, possède un unique point base. Donc qu'est-ce que c'est qu'un point base C'est un point en lequel tous les caractères de xt bar prennent soit la valeur 0, soit la valeur 1. Donc dans chaque orbite, il y a un seul point comme ça. Hein, et donc euh, on sait que tc, euh, c'est euh, t. Enfin, c'est euh, l'orbite voilà, de ce point base. Euh, le point base est défini sur le même corps que l'orbite elle-même. Euh, et euh, on a que la, la, dimension, la dimension de la face est égale à la dimension de l'orbite. Enfin, la, la dernière propriété, c'est que euh, quand on a deux orbites, euh, TC et euh, TC', euh, on sait que TC est contenu dans l'adhérence de TC', euh, si et seulement si euh, C est une face de C'. Hein, donc la combinatoire des orbites correspond exactement à la combinatoire des faces du polyèdre. Alors. Euh, donc voilà, on a ce lemme, euh, qui est un lemme général sur les variétés thoriques. Euh... Et euh... Euh... donc maintenant... Euh, ce lemme euh, nous permet euh, d'examiner la, la, la question euh, des supports. C'est la proposition suivante. Donc, on considère euh, une face euh, définie euh, sur FX. Donc on est en une certaine place et on considère une face définie sur FX, et on se donne un caractère un élément de cette face. Euh, alors, euh, le, le contenu de la proposition suivante, le, 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 la proposition, c'est la suivante. Considérons une fonction fx de t de fx dans c euh, qui est de carré intégrable. Euh, Euh, on suppose euh, que euh, le FX chapeau est intégrable, pour pouvoir parler de l'image de la... Euh, et euh, enfin, euh, on suppose que FX est supporté par une partie compacte. Euh, de T bar, alors attention là, je ne dis pas que le support de Fx est compact dans T de Fx. Je dis que Fx est supporté par une partie compacte de T bar de Fx euh, qui ne rencontre pas euh, T bar C. T bar C, c'est l'adhérence de TC de Fx. Alors, eh bien, euh, si vous prenez la fonction 1 qui cx, sa transformation de Fourier, et que vous l'appliquez euh, au point à la fonction fx, vous obtenez 0. Autrement dit, ce que je dis, c'est que la, quand vous avez une, ces fonctions unitaires, 1 qui c, x, eh bien leur transformée de Fourier, si qui est dans une face, la transformée de Fourier de cette fonction est supportée par, euh, euh, par euh, la, la strate associée à cette face. Alors ça, euh, dans, dans, dans le, dans le cadre de la transformation de Fourier classique, euh, euh, c'est évident. Vous voyez, vous prenez, vous êtes sur, euh, par exemple, l'espace affine de dimension, euh, de dimension R, avec des coordonnées x1, x2, xr, et par exemple vous prenez le caractère x1, la première coordonnée. Là, x1, c'est une arête. Sur le cône, le cône, il est engendré, c'est le cône, c'est n à la puissance r. Donc x1 c'est une arête. Euh, bon, et la transformée de Fourier de Ψx de, de x1, c'est le point qui a pour coordonnées 1, 0, 0, 0, 0. C'est l'évaluation en 1. Bon, ben on voit bien que le point 1, 0, 0, 0, 0, il est dans la face associée. Hein, mais donc, donc ça, est une propriété, cette propriété-là, elle, euh, elle est évidente, euh, sur, euh, elle est évidente sur, euh, sur Te bar. Parce que le, vous voyez que sur TE bar, donc les faces, c'est quoi sur TE bar C'est simplement vous regardez les coordonnées, qui, celles des coordonnées qui sont nulles. Et quand vous, avez, donc, vous prenez un caractère, un élément de n à la puissance r. Et donc ce caractère, il s'écrit x1 à la puissance m1, x2 à la puissance m2, xr à la puissance mr. Et vous regardez quels sont les exposants qui sont nuls. Alors quand il y a des exposants nuls, ça veut dire que le caractère est constant, qui ne dépend pas de cette coordonnée. Donc quand on prend la transformation de Fourier, ça veut dire que la transformation de Fourier de, de ces caractères, ça veut dire qu'en ces points-là, la coordonnée est zéro. Donc sur euh, t puissance r, c'est évident, et la propriété passe au quotient à cause du L. Voilà. Ok, euh, alors, donc ça, maintenant j'ai fait une chose en, en euh, chaque place, euh, mais je peux aussi euh, passer aux adèles. Alors, euh, donc ça veut dire que maintenant je considère le caractère euh, qui est le produit des, des psyx, hein, qui va des adèles. Dans le cercle unité, et puis il est invariant par f. Et euh, bon, bah, je fais la, la, la même chose que euh, tout à l'heure, donc c'est une euh, définition. Euh, je prends un caractère dans euh, xt bar, et euh, je prends un élément euh, arbitraire dans euh, les adèles de ça, les adèles de qui euh, bon, et maintenant, euh, bah, j'ai une fonction euh, associée. Hein, le, donc, ça, c'est une famille d'éléments Cx en toutes les places. Et euh, donc, j'ai la fonction, le produit euh, sur tous les x des fonctions 1 qui Cx en chaque place. Donc, cette chose-là, je le note 1 qui C. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là C'est quelque chose qui va de t bar, euh, de, t bar de, de A. Alors d'abord, vous prenez l'image par qui F. Donc ici, vous allez dans E qui, produit tensoriel sur F avec A, hein, les adèles de E qui. Euh, donc on peut noter euh, simplement A, E qui, les adèles de E qui. Ici, euh, vous avez l'homorphisme de multiplication par C. Là, euh, vous composez ça avec la trace, vous allez dans les adèles tout court, et là, vous composez ça avec psi, et vous arrivez dans le cercle unité. Voilà, donc on a ces fonctions-là, qui sont des produits de fonctions en toutes les places. Euh, alors, euh, donc, euh, euh, voilà, c'est une euh, définition. Euh, et alors ici, il y a une remarque importante, triviale, hein, euh, ce paragraphe est essentiellement trivial. Euh, ensuite, ça va se corser, hein, mais... Mais la, la remarque triviale, c'est la chose suivante. Euh, euh, c'est que, euh, euh, supposons, voyez, j'ai pris un élément C qui est un élément des adèles de qui Mais dans les adèles de qui, il y a des éléments privilégiés qui sont les éléments de qui Supposons que je prenne un élément de qui. Eh bien, euh, alors, ça dit la chose suivante c'est que cette fonction 1 qui c, sur, euh, qui est une fonction sur t bar de a, à valeur dans le cercle unité, eh bien, euh, les éléments de t bar de f, elle les envoie sur 1. Donc, elle, euh, elle ne change pas la, euh, la valeur des éléments rationnels. Or, euh, la formule de Poisson, euh, bon, au moins dans le cas classique, c'est quoi C'est l'évaluation sur les éléments rationnels. Donc, si vous êtes dans le cas classique, ça veut dire que vous, vous, vous avez une, euh, une fonction dans le cas linéaire. Hein, dans le cas linéaire, c'est simplement la, vous, vous avez une, une fonction et vous prenez la somme de ces valeurs en hein, les éléments rationnels. Et alors là, c'est complètement évident que la multiplication par cette fonction préserve la fonctionnelle de poisson. Et alors ici, euh, ben on a une, une proposition qui est la proposition suivante. Donc je me donne un qui appartenant à, à qui t'est bar, et un élément c appartenant aux adèles de qui. Alors euh, d'abord euh, la multiplication euh, par euh, ces fonctions euh, préserve l'espace euh, des fonctions globales. C'est la première propriété. Alors euh, bon, on l'a déjà, déjà dit localement. Alors, les places archimédiennes, quand il y a des places archimédiennes euh, sur le corps de nombre, euh, donc euh, ici, euh, bon, je n'ai pas défini les, les re-fonctions, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'on va élargir l'espace des re-fonctions pour que cette propriété soit vraie. Et en élargissant l'espace, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit stable par multiplication par ces fonctions, ce qui bien sûr ne dérange pas du tout, c'est-à-dire que ça ne fait rien sur les propriétés de convergence, etc. C'est-à-dire ça, c'est des fonctions qui sont très gentilles du point de vue de la multiplication. Hein? Donc euh, voilà, ça préserve l'espace des refonctions globales, hein, sur les corps de fonctions, de toute façon, on l'a déjà vu. Euh, et la, la deuxième propriété, c'est que euh, si, si c appartient à e qui, si c est un élément rationnel, alors, euh, la fonctionnelle de Poisson... Qui n'est pas une évaluation, hein, j'insiste sur le fait, euh, parce que les fonctions ne se prolongent pas au bord. Ce n'est pas une évaluation. Mais quand même, ceci est fixé, cette fonctionnelle est fixée par l'opérateur de multiplication par un qui sait. Alors, en, donc ça, c'est évident dans le cas euh, de TE bar. Et pour le déduire pour T bar, en fait, ce n'est pas évident du tout. Il faut une démonstration. Donc, pour faire la démonstration, il faut rentrer de manière plus précise dans la définition de ces choses-là. Donc euh, la manière dont, 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 sont définis les, 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 dont, dont on fait les choses, vous voyez que en fait, ceci est défini par passage au quotient à partir de la fonctionnelle de poisson linéaire. Alors qu'est-ce qu'on fait euh, Bien Supposons qu'on ait une rho-fonction qui s'écrit par, par intégration le long des fibres, qui se déduit par intégration le long des fibres d'une fonction sur la, en haut. Alors pour la fonction en haut, on la décompose spectralement. Et alors la fonctionnelle de poisson, elle s'écrit comme des intégrales de contour. C'est-à-dire qu'on a des, des fonctions analytiques et euh, la, la valeur de, de, de la fonctionnelle de Poisson classique, standard, la somme, l'évaluation, la, enfin, la vraie évaluation sur les éléments rationnels, ça s'écrit simplement comme euh, donc une intégrale sur une droite verticale, euh, moins des... Euh, enfin, ou plus, enfin c'est une combinaison linéaire de cette intégrale. Et euh, d'intégrale sur des sous-espaces qui apparaissent par des résidus, les résidus des pôles. Bon, alors quand on veut passer de, 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 de TR à T, qu'est-ce qu'on fait On a nos, euh, nos fonctions analytiques et on les restreint à un sous-espace. Le sous-espace est défini par le fait que TRO agit trivialement. On restreint un sous-espace, évidemment, on a des fonctions analytiques, on les restreint à un sous-espace, ça reste analytique. Et là, la, la valeur de la fonctionnalité de Poisson, ben, c'est défini de la même façon. C'est d'abord des, des, euh, des, euh, euh, un terme principal qui est une intégrale de contour, et puis des termes complémentaires qui sont des intégrales sur des sous-espaces définis par résidus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est le, le sens du, de, de, de la formation de ces résidus. Bon, et alors, euh, ce qu'on fait, c'est que, le en fait, le, disons, cette chose-là euh, s'écrit comme donc, un terme principal, gamma appartenant à T de F de F de gamma, plus des termes euh, qui sont indexés par les chaînes de faces de C. Vous voyez, une chaîne de faces où chacune est une face de codimension 1 de la précédente. De euh, f de c1, c2, ck évalué, euh, donc ici vous faites la, la, la somme euh, sur des éléments gamma appartenant à la strate associée à ck euh, de f, voilà, de, de ceci. Et alors là, euh, euh, donc euh, les, les, vous avez que f de c1, ck, c'est une fonction. Sur T bar CK, sur TCK de A qui se déduit de F de C1 CK-1, euh, donc fonction définie sur TCK-1 de A par un processus compliqué de résidus. Mais ce que signifie ce processus compliqué de résidus, c'est en particulier que ceci ne dépend de cette fonction que dans des voisinages arbitrairement petits de la strate associée à CK dans CK-1. Bon, et vous faites ça et vous, euh, vous évaluez euh, en les points rationnels. Et alors, ce que vous, euh, du fait même que le, ce processus est local, il commute avec la multiplication par la fonction inquisée. Et ensuite, quand on évalue en les points rationnels, ceci disparaît. Voilà. J'ai donné le schéma de la démonstration. Donc ici, on a un résultat, euh, euh, un résultat euh, euh, voilà, euh, qui, dans le cas du quotient, euh, n'est pas trivial du tout. Le fait que les opérateurs de multiplication par ça euh, à la fois préservent l'espace des fonctions globales et, euh, et préservent la, 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 la fonctionnelle de Poisson. Donc, on peut en déduire la même chose pour les transformer de Fourier de ces opérateurs. Voilà, donc j'ai fini pour le TOR. Euh... Alors, je ne sais pas si on fait une pause maintenant ou un peu plus tard. Bon, d'accord, d'accord. Donc on fait une pause, voilà, on fait une pause et on reprend tout à l'heure. Voilà, donc maintenant je voudrais parler euh, euh, du... Je voudrais passer au groupe, au groupe G. Hein. Le, le paragraphe précédent, c'était sur les tores. Donc euh, là, j'ai besoin euh, d'abord de définitions qui sont des définitions euh, générales de, de, de théorie des groupes. Alors, d'abord, si on a, de manière générale, un groupe réductif euh, sur un corps K, euh, et euh, donc dans, dans ce cas-là, euh, on appelle semi-groupe. Donc, c'est une définition, hein, ce qu'on appelle un semi-groupe G-bar de groupe G. Euh, donc, c'est euh, une variété affine intègre, donc G-bar. Donc, j'ai dit, vous voyez, affine intègre G-bar contenant G. Euh, même, bon, je vais même mettre euh, géométriquement normal. Tous les semi-groupes que je considérais sont géométriquement normales, c'est-à-dire euh, normales euh, sur le, le, la, 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 la clôture algébrique du corps de base. Donc, euh, donc ça doit contenir G comme un ouvert dense. Et on veut que le morphisme de multiplication euh, se prolonge. Euh, en amorphisme de g bar fois g bar euh, dans g bar. Voilà, un morphisme, euh, voilà, c'est tout, tout ce qu'on demande. Hein. Euh, donc c'est la, la, la définition d'un semi-groupe. Et alors ici il y a une, euh, un résultat euh, important euh, donc, euh, qui est le suivant. Euh, donc, euh, je, je, je considère euh, comme ici un groupe réductif, euh, même je, je vais prendre qu'il est quasi déployé euh, sur le corps de base. Les groupes réductifs qu'on considère sont toujours quasi déployés. Hein, euh, avec une, euh, donc, s'il est quasi déployé, ça veut dire que dedans, il y a une paire de Borel euh, euh, pour euh, le groupe G hein, et défini sur le corps de base K. Bon, alors, dans cette situation. Euh, se donner un semi-groupe G-bar euh, de groupe G euh, équivaut à euh, se donner euh, euh, dans euh, X_t dans le, le, le réseau des caractères du, du tore maximal de G de se donner un cône. Euh, Polyédral, euh, XT bar euh, mais alors là vous euh, voyez c'est exactement comme pour les variétés affines, mais bien sûr pour qu'il y ait une structure de semi-groupe il y a des propriétés supplémentaires qui sont nécessaires euh, qui doit être euh, stable par l'action du groupe de Weyl et puis enfin si on veut que le semi-groupe soit défini sur le corps de base euh, il faut la dernière propriété que ça soit stable par l'action euh, du groupe de Galois du corps de base. Donc, si on a un cône polyédral, un cône convexe euh, polyédral euh, xT bar euh, qui vérifie ces propriétés, enfin se donner un tel cône convexe, c'est bah, équivaut à se donner un tel semi-groupe. Hein? Donc, l'exemple classique de semi-groupe, bien sûr, c'est euh, euh, dans GLR et plongé dans MR les matrices. Et d'ailleurs, tous les semi-groupes se déduisent de ça, car quand vous avez une représentation d'un groupe réductif, vous envoyez G dans GLR, vous, vous, pouvez, vous considérez, vous, vous considérez l'adhérence schématique de l'image de G dans MR, ça vous définit un semi-groupe, et tous les semi-groupes s'obtiennent de cette manière-là. Mais ça, c'est une manière concrète de les construire. Ici, ce qu'on a, c'est une description combinatoire. Se donner un semi-groupe, c'est équivalent à ça. Euh, et euh, on a en plus que dans cette correspondance, vous voyez qu'ici il y a un, un cône xt bar qui est apparu. Donc xt bar définit la variété t-bar qui est l'adhérence de t. Alors t, c'est le tort maximal de G, donc son adhérence dans G bar. L'adhérence de T dans G bar est a priori une variété torique de tort t. Eh bien en fait, c'est la variété torique définie par le même code convexe polyédral euh, que G-bar. Voilà, donc on a cette correspondance. Euh, euh, voilà, donc ça c'est le point 2. Et en, enfin, il y a un point 3 euh, qui euh, euh, va être euh, très intéressant euh, pour nous. Euh, euh, le point 3 c'est le suivant, c'est euh, euh, donc je, euh, je dispose de ce sous-groupe de borel B euh, et bien sûr euh, c'est le produit du tord euh, par son radical unipotent, et euh, je dispose aussi euh, du sous-groupe de borel opposé. Euh, Hein, donc, dans le cas de GLR, euh, le, prendre l'opposé, ça veut dire considérer les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures. Mais ceci a un sens dans n'importe quel groupe projectif. on dispose de ces deux choses-là. Et euh, maintenant, je peux regarder euh, le quotient de G bar par l'action à droite de NB et l'action à gauche de NB-OP. Donc, j'ai une, une variété affine et je la quotiente par l'action d'un groupe. Euh, donc, je sais que le quotient existe en tant que variété affine, normale, géométriquement normale. Et euh, bien sûr, le, les, les éléments génériques de G s'écrivent comme le produit d'un élément de NBOB, d'un élément de NB et d'un élément du tore. Donc, ça veut dire que ceci, muni de l'action du tore à gauche ou à droite, c'est une variété torique. De tor Et euh, si c'est une variété torique de tor il lui correspond à un certain cône. Alors cette variété thorique de torté est associée à euh, un certain cône euh, saturé, euh, Xt bar plus, euh, qui est un, un, un sous-cône de Xt bar, donc c'est contenu dans le, le réseau des caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que xt bar plus euh, C'est euh, l'ensemble des caractères de euh, xt bar qui sont dominants. Alors, je rappelle que dominant, euh, ça signifie que le produit scalaire de qui euh, euh, avec alpha tchetch est supérieur ou égal à 0. Euh, pour toute coracine positive. Voilà. Euh, euh, donc on a ces, ces, ces résultats-là euh, de manière générale. Non. Alors maintenant, on revient à notre situation. On a notre groupe réductif euh, G, quasi déployé sur F. Et on a la représentation de transfert qui va de G chapeau produit semi-direct vers gamma F euh, vers GLR de C hein, et qui induit un morphisme qui va de T chapeau, euh, donc ce morphisme on l'appelait Rho T, euh, ça va de T chapeau dans euh, C fois puissance R. Et donc cet homomorphisme Rho T, il est donné par une collection de R caractères. Voilà. Et. Euh, euh, donc, enfin, on a toute la situation euh, décrite euh, précédemment. Euh, et euh, maintenant, on sait euh, que euh, euh, cette famille de caractères est stable à la fois euh, par l'action euh, du groupe de Galois, hein, j'ai supposé que le groupe de Galois agissait par permutation, et il est stable par l'action du groupe de veille, les deux. Stable par l'action du groupe de Weyl et stable par l'action du groupe de Galois. Euh, euh, donc, euh, le cône engendré, XT bar, est stable euh, par gamma F et par le groupe de Weyl de, de, de G. Donc, ça permet de, de poser la définition suivante. Dans cette situation, on va noter G bar le semi-groupe euh, associé à G, euh, le, pardon, le semi-groupe de groupe G euh, associé à T bar. Donc le, 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 voilà, c'est une définition. Donc le semi-groupe de groupe G associé à T-bar simplement, donc ça, associé à X T-bar. Hein, donc euh, simplement du fait que euh, ce cône est stable à la fois par l'action du, du groupe de Vaille, donc on a bien un semi-groupe, et il est stable par l'action du groupe de Galois, donc ce semi-groupe est défini sur F. Donc, euh, on a ces deux propriétés. Euh, 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 voilà. Euh, maintenant... Euh, on peut faire euh, euh, la construction euh, suivante. Donc, euh, on considère un élément de xt bar plus. Hein, donc ça veut dire un élément de xt bar qui est dominant. Euh, donc euh, on a un morphisme induit, enfin la, qui va, euh, un homomorphisme qui va du torté T dans le tort euh, déduit de Gm par restriction des scalaires à la veille de E qui à F. Euh, et donc la, la conséquence de ce qu'on a dit précédemment, c'est que ceci, ce, ce euh, morphisme, cet homomorphisme qui F se prolonge en un homomorphisme qui va de G bar divisé par NB à droite, par NB hop à gauche, donc cette chose-là, ce quotient-là, on peut l'appeler T bar plus, euh, vers euh, la restriction des scalaires à la veille de qui à F de A1. Donc on a un tel homomorphisme de variété torique, un tel morphisme équivariant de variété torique, et euh, bien sûr, euh, si euh, qui euh, décrit euh, le cône euh, Xt bar plus, euh, 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 donc euh, ces fonctions là euh, euh, les kiev euh, euh, fournissent un système de coordonnées. Forme un système de coordonnées sur ce quotient. Euh, donc, le, euh, 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 voilà, on a, euh, euh, le, le, euh, on a ceci. Alors, bien sûr, pour le point 2, il suffit de prendre une famille génératrice. Alors maintenant, une fois qu'on a euh, ce corollaire, euh, on peut faire la même construction que précédemment dans le cas des tors. Euh, donc euh, on considère un caractère de XT bar qui est dominant. Et euh, euh, maintenant, euh, je peux me placer, je choisis une place euh, quelconque du corps. Euh, je me place sur G bar de FX. Et euh, maintenant, je peux euh, quotienter des deux côtés par, le radical, par le, le, le radical unipotent nb et par son opposé, et euh, j'obtiens euh, un morphisme, donc cette, cette vers d'abord euh, t bar plus de fx, hein, t bar plus c'est g bar sur nb op nb de fx, donc là c'est évident. Euh, je peux composer avec l'homomorphisme qui f et là euh, je me retrouve à valeur dans E qui x et euh, je peux faire la même chose que tout à l'heure, c'est à dire je peux composer ça avec la trace qui va vers fx puis avec le caractère psi x qui va dans U1. Euh, donc je peux faire ces, ces composés et ça ça me fournit la définition. Euh, définition euh, suivante, c'est euh, ben, la définition de fonction hein, euh, unitaire sur le, le semi-groupe euh, G-bar et donc euh, sur, le groupe G, sur le groupe G. Donc Je considère un caractère comme ça, euh, je considère une place euh, quelconque, euh, euh, et enfin je considère un élément euh, Cx de E qui X. Bon, ben, euh, qu'est-ce que. Euh, 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 donc, j'ai une fonction unitaire associée. 1g qui cx. Vous voyez, ici, je mets un g en exposant. Hein, c'est n'est plus une fonction unitaire sur le tor, c'est une fonction unitaire sur le semi-groupe. Donc, ça va de g bar de fx euh, divisé par nb de fx et nb op de fx. Euh, donc, je prends la fonction que j'ai là, hein, euh, donc euh, je vais vers euh, E qui x, là je multiplie par l'élément Cx, donc je reste dans E qui x, je compose avec la trace fx, et puis je compose avec le caractère Psi x et j'arrive dans U de A. Donc, les fonctions euh, définies de cette manière-là sont des fonctions unitaires, des fonctions à valeur unitaire. Et euh, donc elles sont euh, là, bien définies euh, de, de cette manière-là. Hum. 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 Alors, euh, donc on a ces fonctions unitaires et maintenant on veut s'intéresser à leur transformation de Fourier. Donc ça veut dire que le, on, on suppose, déjà construit, quoi euh, Un opérateur de ρ. Transformation de Fourier sur g de fx. Hein, euh, donc cet, cet opérateur, je le note euh, à fx, j'associe fx chapeau. Hein, euh, donc je suppose qu'il est déjà construit. Alors, donc il est. Enfin, il est des, euh, euh, bon, il est défini par une certaine fonction de noyau et on suppose euh, qu'il vérifie les, les propriétés du problème 1 que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire il est unitaire, et il est compatible avec le passage au terme constant sur b, c'est-à-dire avec le morphisme qui a fx associé euh, fx nb, euh, donc fx nb c'est quoi C'est euh, l'intégrale sur nb de fx du de fx de la variable que multiplie u, et ceci doit être corrigé par delta b de t norme x à la puissance 1 demi fois le delta b de t norme de x à la puissance 1 demi. Donc le, on suppose euh, qu'on a ça, euh, on a cet opérateur de ρ transformation de Fourier, on et on suppose qu'il est compatible avec la ρ des euh, transformations. Euh, de Fourier déjà construite sur le tor. Donc ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que si j'ai deux fonctions sur le groupe F2 et F1, telles que F2 soit F1 chapeau, alors les termes constants de F2 sont les rotés transformées de Fourier des termes constants de F1. Donc on suppose qu'on a cette propriété. Euh, euh, voilà, et alors euh, le, maintenant, euh, une fois que, en faisant cette, cette hypothèse, hein, là, là, euh, on peut poser euh, la... la euh, Euh, on peut euh, introduire euh, les, euh, les transformer de Fourier euh, des euh, fonctions unitaires euh, 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 des fonctions unitaires que l'on vient euh, d'introduire. Alors de manière générale, si φx est une fonction unitaire sur g de fx, donc quelque chose qui prend ses valeurs dans u de 1, euh, euh, alors, euh, la transformée de Fourier euh, de φx euh, euh, est bien définie en tant que distribution, c'est-à-dire en tant que forme linéaire. Euh, donc, c'est fx euh, chapeau de euh, fx, euh, qui, euh, par définition, c'est l'intégrale sur g de fx, d rho g, euh, fx de g, que multiplie fx chapeau de g. Et ceci est défini si fx est 2 carrés intégrable, si bien que l'on peut parler de sa transformée de Fourier, et fx chapeau est intégrable. Donc on suppose euh, qu'on a ça. Euh, euh, voilà, enfin on euh, donc sur l'espace des fonctions fx qui vérifient cette propriété. Donc 2 carrés intégrables. Et, leur, et, et dont la transformée de Fourier est intégrable, on a une forme linéaire définie de cette manière-là. Bon euh, donc euh, on a cette définition générale, et en particulier, euh, puisque ici j'ai introduit euh, ces fonctions 1g qui cx hein, pour euh, qui un caractère arbitraire de xt bar plus, donc un caractère de xt bar qui est dominant, eh bien je peux aussi considérer la transformation de Fourier. Euh, de euh, ces fonctions. Donc j'ai euh, ceci, mais euh, bien sûr, le, si qui est, est un, un élément de xt bar plus, qui euh, est en particulier un élément de xt bar, donc je dispose de la fonction 1 qui cx sur le tor, et je peux regarder sa transformée de Fourier sur le tor. Donc vous voyez que pour un même caractère, il y a... Euh, je dispose de cette fonction unitaire sur le groupe. Cette fonction unitaire sur le tord, alors bien sûr, cette euh, fonction-ci euh, prolonge cette fonction-là. Hein? Donc j'ai deux fonctions, une sur le groupe, une sur le tord, celle sur le tord est la restriction de celle sur le groupe. Et puis je peux considérer à la fois la transformée de Fourier sur le groupe et la transformée de Fourier sur le tord. Alors euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la, la nouvelle transformée de Fourier que j'ai introduite? Euh, donc c'est le, le lemme suivant. Euh, alors, euh, premièrement, euh, cette euh, transformée de Fourier-là, donc cette distribution, est invariante. à droite par nb op de fx et invariante à gauche par nb de fx. Euh, voilà. Euh, le, euh, euh, donc on suppose ça. Euh, deuxièmement, euh, alors, oui, pourquoi? Non, non, c'est pas qu'on le suppose, c'est que euh, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est parce que les fonctions qu'on considère, euh, ces fonctions-là, euh, par définition, vous voyez, là, cette fonction est invariante à droite par nb de fx. Donc, sa transformée de Fourier est invariante à gauche par nb de fx. Et de même, la variance à gauche par nb-op de fx de la fonction se traduit par une invariance à droite pour sa transformée de Fourier. Alors, euh, maintenant, je vais supposer euh, que euh, le caractère qui appartient à une certaine face C euh, de XT bar euh, définie sur FX. Donc je suppose que j'ai euh, euh, cette propriété. Et euh, donc je vous rappelle que quand euh, on a une telle face, Hein, euh, on peut lui associer sa, sa strate, T indice C, hein, c'est l'orbite euh, correspondante euh, dans euh, T bar, hein, c'est-à-dire que dans T bar, on a euh, T indice C, et T indice C contient un point base, euh, donc c'est une orbite avec un point base 1C, et on peut noter euh, T indice euh, T exposant C, Hein, je mets ici un C en exposant, c'est quoi C'est le fixateur de un C euh, dans T. Autrement dit, c'est le, le sous-tor de T constitué des éléments qui fixent ce point base. Hein, donc, euh, on a euh, cette propriété. Euh, euh, là, enfin, on a cette définition, on peut considérer ce sous-tor, et alors, avec cette définition, euh, ceci implique que ce sous-tor, t exposant c de fx, euh, fixe la distribution transformée de Fourier euh, de la fonction unitaire que je considère. Donc ceci fixe cette distribution. Hein? Alors, euh, pourquoi C'est parce que, le, ce, évidemment, euh, euh, ce euh, sous-tor euh, fixe euh, la fonction qui est là. D'accord Donc, euh, euh, ça veut dire que lorsqu'on fait agir ce sous-tor sur euh, la, 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 euh, la, la fonctionnelle linéaire définie par l'intégration contre cette fonction eh bien ça va varier comme la norme indice x puissance moins 1 euh, du, euh, du déterminant indice rho euh, appliqué aux éléments de t exposant c. Et en prenant la transformée de Fourier de, de ça, euh, on récupère une invariance. Euh, voilà, donc on a euh, que cette transformée de Fourier est invariante par ça. Et puis euh, la, bon, la troisième propriété, euh, c'est la suivante. Euh, euh, donc je, je considère comme ça une fonction fx sur le tore, euh, pardon, sur le groupe, et puis une fonction sur le tore euh, qui est reliée à la précédente de la manière suivante. Je suppose que la transformée de Fourier de la, cette fonction fixe, donc sur le tor, c'est l'intégrale sur NB op de fx fois nb de fx dv du euh, fx chapeau de vtu euh, delta b de t euh, norme indice x euh, dette b de t norme indice x voilà, donc autrement dit, on prend simplement, on intègre le long des radicaux unipotents et on multiplie par euh, ces deux caractères. Hein, donc c'est simplement une torsion par un caractère. Donc on suppose que les deux fonctions fx et fx sont reliées de cette manière-là. Hein, sont reliées via leur transformée de Fourier. Alors, sous ces hypothèses, ben, on n'a que la, la transformée de Fourier sur G de notre fonction. Fx appliqué à fx est égal à la transformée de Fourier sur t de la restriction appliquée à la fonction fixe. Hein, donc c'est un simple calcul d'intégrale, donc euh, c'est facile, euh, je n'épilogue pas là-dessus. Euh, voilà. Bon, donc on a. Euh, euh, On a ces définitions. Alors, euh maintenant, euh euh, on a le, 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 également le corollaire suivant euh, donc on est toujours avec les, les mêmes, dans la même situation on considère un caractère qui de xt bar plus donc un caractère dominant de xt bar euh, et on considère euh, l'opérateur de, de multiplication euh, de, donc euh, donc l'opérateur qui a une fonction fx euh, on considère l'opérateur de multiplication euh, par cette fonction 1 g qui c x donc on dispose comme cette fonction est unitaire on dispose de son ρ transformé de fourier Euh, qu'on va noter à fx, j'associe euh, un g qui c'est x étoile fx. Hein, donc ça signifie la chose suivante, c'est que 1g euh, qui... Donc c'est une simple notation, hein, c'est l'image de fx par cet opérateur. Donc ça signifie que la transformée de Fourier de ça, c'est égal à la transformée de Fourier de fx que multiplie la fonction 1g qui c'est x. Donc on considère cet opérateur, hein, qui est la roue transformée de Fourier de l'opérateur de multiplication, et on a que, euh, cet, opérateur, euh, euh, que cet opérateur est et, euh, euh, donc il est nb op de fx équivariant à droite. Et euh, il est nb de fx équivariant à gauche. Euh, alors, euh, donc ça c'est la première propriété. Et euh, la deuxième propriété. Euh, la deuxième propriété c'est que euh, 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 donc si on a f2 euh, qui est l'image de f1 euh, par cet opérateur, puis que je considère les termes constants φ1 et phi2 de f1 et f2, donc ça veut dire, euh, bon ici c'est le terme constant, hein, défini par l'intégration le long de Nb, que je corrige par euh, le déterminant à la puissance 1,5, et puis ici la même chose euh, pour F2, eh bien euh, alors euh, ceci implique que Φ2 est égal à euh, l'image de Φ1. Par la transformée de Fourier sur T de Fx de l'opérateur de multiplication par la fonction. Hein, donc ici, on écrit une compatibilité entre les deux opérateurs euh, de transformée de Fourier sur T2F et sur G de Fx euh, des, de ces opérateurs de multiplication. Alors, euh, maintenant, on va faire euh, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on va s'intéresser au support euh, euh, des transformés de Fourier euh, de ces opérateurs. D'accord de, euh, Pardon, des transformés de Fourier de ces fonctions unitaires. Hein on l'avait déjà fait dans le cas des tors. On avait vu que si on avait des caractères qui étaient dans une petite face, eh bien, le support correspondant euh, était euh, lui-même euh, dans une petite strate euh, de T bar. Alors, euh, là, euh, hein, on a vu que si euh, euh, qui est dans une face C, euh, une face C de T bar, alors ça implique que la distribution. Non, pas celle de, sur G, mais celle sur T, hein, ça, la transformée de Fourier de cette fonction unitaire, est supportée par euh, T bar C de fx plongée dans T bar de fx. Donc on a cette propriété. Et euh, on, se, euh, on se demande. Euh, la question qu'on se pose, euh, est-il possible que le support de euh, la transformation de Fourier de la fonction sur g Hein, le, ce, le, le support de la transformation de, de la, de la, de la euh, transformée de Fourier de la fonction sur g, est-il possible que ceci euh, soit supporté dans t bar de fx Est-ce que c'est possible? Donc ça veut dire, vous voyez, tout à l'heure on avait dit... Euh, euh, la, on, a, on envisage cette propriété euh, qui, est a, qui est apparue dans le calcul qu'on a fait sur GL2, euh, que euh, les, la, la convolution euh, préserve le tort. Autrement dit que si on a une fonction unitaire dont la transformée de Fourier est supportée dans le tort, alors... Quand deux fonctions f2 et f1 sont reliées l'une à l'autre euh, par convolution par cette fonction, eh bien, la valeur de, de l'une de ces fonctions sur le tor ne dépend que des valeurs de, de, de l'autre fonction sur le tor. Donc, on se demande s'il existe des fonctions unitaires comme ça qui vérifient cette propriété. Euh, alors, euh, on sait déjà que ceci. Euh, 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 le, soit, su, donc soit supporté dans, dans T bar C, et euh, bien sûr euh, bon on peut se dire on, on se dit que il le, le, y a, le, 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 a peut-être une relation entre le support de cette transformée de Fourier sur G et le support de la transformée de Fourier sur T. On sait que le support de la transformée de Fourier sur T, c'est T bar C de Fx si euh, c'est une face qui contient qui? Donc, euh, on peut se demander, est-ce que par hasard, il est envisageable que quand on passe de T à G, le support ne grandisse pas, qu'il soit aussi égal à cette strate euh, Mais on veut que le... Voilà, on veut ça. Euh, mais euh, évidemment, pour que ça soit possible, il euh, y a une condition. Euh, euh, la condition nécessaire pour que ceci soit envisageable, la condition nécessaire, c'est que euh, si je prends la strate T bar de NC et que je la multiplie euh, à droite par NB op et à gauche par NB, eh bien ceci reste contenu dans T bar. Donc pourquoi c'est nécessaire C'est nécessaire parce que ceci et cette, cette fonction-là, euh, cette distribution, pardon, est invariante à droite par nb op de fx et elle est invariante à gauche par nb de fx. Donc, le, ça veut dire que le support, puisque cette, fonction, cette distribution pardon, est invariante à droite par nb-op de fx, à gauche par nb de fx, nécessairement son support doit être invariant par ces deux actions. Donc, si on veut que le support soit contenu dans t-bar, plus précisément qu'il soit contenu dans cette strate, eh bien, une condition nécessaire, c'est que le, les points de cette strate. Multiplié à gauche par nb, multiplié à droite par nb op, reste dans le tort. Et donc, le, en fait, pour avoir ça, euh, c'est équivalent à demander euh, que les, les points de t bar c sont euh, euh, chacun invariant à droite par nb op et invariant à gauche par nb. Donc c'est une condition nécessaire. Donc déjà, on peut se demander euh, si cette condition euh, nécessaire euh, n'est pas euh, parfois réalisée. Et en fait, la réponse est oui. Donc c'est le lemme suivant. Donc on considère C une face de euh, XT bar euh, dont, tous les, dont tous les éléments sont dominants. Vous hein, euh, voyez que j'avais été jusqu'à jusqu présent j'avais fait la, la chose suivante. J'avais pris un caractère qui, euh, éventuellement élément d'une face C, et puis pour que ces fonctions 1g qui cx euh, soient bien définies, j'avais supposé que qui est un caractère dominant. Mais là, je, je fais une hypothèse supplémentaire plus forte. Je demande que tous les éléments de la face soient dominants ce n'est pas seulement qu'il y a dedans, il y a un élément dominant, c'est que tous les éléments sont dominants. Euh, donc, je fais cette hypothèse là. Euh, et alors, la conclusion, c'est que les points de la strate associée euh, vérifient la propriété euh, qu'on a dite, donc ils sont invariants euh, à droite. Par NB, hop, et à gauche, par NB. Ils satisfont cette hypothèse. Alors, le, bon, il y a le, dans les notes écrites euh, euh, qui seront disponibles donc, euh, dans quelques semaines, il y a une démonstration générale de ce fait. Euh, je veux simplement euh, faire ici, comme euh, le temps me manque, le, euh, façon, euh, je, je veux faire observer que, bien sûr, c'est vrai euh, dans le, 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 le cas classique de, de GL2. Le, le, donc, vous prenez euh, si euh, G égale GL2, euh, donc T égale GM au carré, hein, et vous prenez le, le, le caractère, euh, vous prenez euh, qui euh, donc, le donc, ici, euh, les, les caractères euh, sur T, c'est des x1 puissance m1 que multiplient des x2 puissance m2. Donc, vous prenez qui égale x1, d'accord Et vous prenez la face engendrée par qui D'accord Donc, dans ce cas-là, euh, qu'est-ce que c'est euh, que euh, t bar indice c, t bar indice c, c'est euh, euh, les points de la, de la forme suivante. Ici, il y a une coordonnée. Et les trois autres coordonnées sont nulles. Hein. Donc c'est des points. Donc dans l'adhérence du tore et euh, demander euh, euh, que ça soit dans la face associée à la face engendrée par l'élément x. 1 C'est demander que la coordonnée ici soit nulle. D'accord. Donc vous avez seulement une coordonnée là. Et euh, bah, euh, bien sûr, euh, euh, vous avez, si vous prenez des éléments comme ça, que vous les multipliez à droite, euh, donc euh, des, un élément comme ça, vous multipliez à droite euh, par un élément de, de nb, c'est-à-dire un élément comme ça, vous multipliez à gauche euh, par un élément de n, euh, et bien euh, vous voyez immédiatement que euh, l'élément ne bouge pas. C'est invariant. D'accord Donc, euh, bon, euh, voilà la preuve dans ce cas-là. Et en fait, le, la preuve dans le cas général euh, euh, se ramène à ce cas-là. Donc, euh, voilà, je le laisse en exercice le, parce que je n'ai pas le temps. Euh, bon, donc, euh, ça signifie que euh, la condition nécessaire qu'on avait euh, écrite tout à l'heure, euh, le fait que les éléments de la strate euh, soient fixes par l'action à gauche de NB et par l'action à droite de NB, -hop. donc cette condition nécessaire est euh, parfois réalisée. Donc ça laisse l'espoir que euh, la transformée de Fourier de ces fonctions, si cette condition est réalisée, si la face est constituée d'éléments dominants, ça laisse l'espoir que la transformée de Fourier de ces fonctions soit supportée par le tort. Et euh, la proposition suivante, c'est que c'est vrai. Alors voilà exactement euh, l'énoncé. On va même donner un énoncé euh, plus général. Donc on considère... Un, euh, un, élément, un, un caractère qui de x t bar plus, hein, donc c'est un caractère dominant de x t bar. Euh, on suppose qu'il appartient à une face C euh, définie sur fx, hein, et puis on se donne un élément cx de euh, e qui, euh, x. Euh, voilà. Euh, donc on se place dans cette situation générale et la première propriété qu'on a, c'est que la distribution transformée de Fourier de, de ça, cette distribution, est supportée par nb de fx que multiplie t bar c de fx que multiplie nb de fx. Autrement dit, vous voyez que c'est une situation générale, euh, on, euh, ça veut dire quoi ça veut, Ce qu'on sait, c'est que si on enlève le g, le support de la transformée de Fourier de cette fonction sur t est contenu dans t bar c de fx. Et on sait d'autre part que ce, le support de la fonction sur g est, un, est euh, invariant. À gauche par nb de fx, invariant à droite, pardon, par nb op de fx. Donc, euh, en quelque sorte, la, la, la meilleure conjecture qu'on a, c'est que le, le support de ça est contenu là-dedans. Et donc, la première assertion de la proposition, c'est que c'est vrai. Et alors, quand vous combinez euh, ceci, euh, ceci euh, avec euh, le lemme qui précède, euh, vous obtenez la chose suivante, c'est que si tous les caractères qui... Euh, de, tous les caractères de C sont dominants, si la face C de, du cône XT-bar est constituée de caractères dominants, alors... Euh, la transformée de Fourier de la fonction unitaire associée est supportée par euh, T bar C de fx. Alors, euh, euh, bon, je, je sais... Pas, donc là, la... Euh, donc la démonstration est... Euh, assez longue. Je sais pas si je la donne. Euh, euh, Bon, ce euh, sera dans les notes. Hein, le, le... Est-ce que je la donne Est-ce que je donne la démonstration ben Là, ça fait trois pages à peu près, euh, donc euh, ça fait bien un quart d'heure. Je la donne euh, le... Non, parce que j'ai l'impression que les gens ne suivent plus, là. Donc. Euh... Euh, bon, euh, donc le, le... bon, donc j'y je, je, vais, hein, mais le. Euh, le, le... Euh, donc, euh, le, le, bon, on sait que ceci est une forme linéaire euh, sur euh, les fonctions de carré intégrable FX de G de FX dans C euh, telle que. Euh, euh, cette forme linéaire, euh, quand on prend euh, donc sa, sa valeur absolue, c'est majoré par la norme L1 euh, de la transformée de Fourier de la fonction. Hein, c'est la, la propriété de continuité de cette fonction. Hein, donc, on prend des fonctions de carré intégrable dans la transformée de Fourier et intégrable, et on a cette inégalité. Euh, mais en fait, on peut dire quelque chose d'encore de plus précis c'est que euh, euh, cette forme linéaire euh, se factorise à travers euh, l'opérateur suivant. Euh, c'est euh, donc à fx, j'associe euh, le terme constant nb de fx, euh, du, euh, en fait c'est même un, un double terme constant, c'est nb de fx fois nb op de fx, du dv de fx de utv, euh, euh, voilà, donc ça se factorise à travers euh, cet opérateur que multiplie ici, il y a le delta B, ici le delta B x à la puissance, donc ici c'est moins 1,5, ici c'est 1,5, voilà, ça se factorise à travers ça, c'est-à-dire que pour connaître l'image, j'ai besoin que de connaître ce, ce, ce terme constant. Et euh, donc ceci, on sait que c'est la, trans la rotée transformée de Fourier de euh, dette de b euh, du terme constant euh, du terme constant euh, associé à l'intégrale, la même intégrale, mais euh, de la fonction elle-même. De, là, je vais mettre de, du, du VTU, et donc ici, maintenant je mets du 1,5, c'est plus du moins 1,5. Hein, je sais que ceci, la transformée de Fourier de ça, euh, et euh, la, donc cette forme linéaire euh, se factorise à travers cet opérateur, donc elle se factorise aussi bien à travers cet opérateur. Hein euh, donc, là, ça veut dire quoi euh, Hein, donc, euh, le, cet, euh, cet opérateur là, je l'appelle euh, euh, fx. À fx, j'associe phi x, qui est égal à ça. Donc, il y a une fonction sur le groupe, j'associe une fonction sur le tor, et donc euh, notre forme linéaire la forme linéaire que, qui est de cette distribution, se factorise à travers ça. Hein? Euh, euh, bon, donc je peux la, la noter. Hein? Euh, 1G euh, qui cx chapeau de, donc de fx, euh, je peux le noter. Je vais garder la même notation. Euh, mais donc euh, maintenant, ceci, je le vois comme une forme linéaire sur les fonctions sur le tort. Et euh, cette forme linéaire euh, sur le tort, donc euh, si on écrit euh, l'inégalité qu'elle vérifie, cette inégalité s'écrit de cette manière-là. Si je prends cette forme linéaire en un élément phi x, c'est euh, plus petit que l'intégrale sur t de fx dt de la transformée de Fourier de phi en module multiplié par le caractère indice b de t puissance 1 demi multiplié par le delta b de t x puissance 1 demi. Hein, donc c'est la propriété de continuité de notre forme linéaire. Vous voyez que la, la valeur de la forme linéaire en module est plus petite que l'intégrale sur le tore de la transformée de Fourier de la fonction multipliée par ce poids. Donc on sait ça, donc c'est la, la, la première propriété euh, qu'on connaît. Euh, et puis il euh, y en a peut-être une, une deuxième qui est importante. Hein, la, première propriété, la deuxième propriété importante, c'est l'action du tort TC de FX, le stabilisateur des points de la strate T indice C. Donc on sait que ce tore agit sur la forme linéaire qu'on considère, hein, on sait que ce tore, il fixe la fonction 1g qui c'est x, il la laisse invariante. Donc quand on regarde son action sur la forme linéaire qui est ici, euh, eh bien on trouve qu'il agit sur cette forme linéaire euh, par, euh, le euh, euh, par le caractère suivant, donc il faut faire le calcul. Donc à t, on associe delta b de t x puissance euh, je, je vais le, moins 1,5 que multiplie delta b de t x puissance 1,5. Hein? Donc il euh, faut simplement faire le calcul. Voilà, on a ça. Hein? Donc il agit. Euh, sur cette forme linéaire, euh, par, euh, simplement, euh, il agit par un, par un caractère très simple, un caractère de norme. Alors ici il y a un, un lemme euh, qu'on peut écrire, c'est que les, les caractères de B, delta B qui apparaissent ici, et euh, dead B euh, delta B moins ces deux caractères euh, sont éléments. De XT bar. Alors, euh, pourquoi ils sont éléments de, de XT bar euh, bah, D'abord, euh, euh, comme XT bar est stable par l'action du groupe de Weyl, euh, il suffit de démontrer que, vous voyez, celui-ci est ce, celui image de ça par l'action du groupe de Weyl. DB, c'est un caractère le, du, du groupe, donc il est fixe par l'action du groupe de Weyl. Il suffit de démontrer euh, la propriété pour ce caractère-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il suffit de démontrer pour que, que euh, quel que soit le poids rot i, on a que delta b produit scalaire ρTi i est supérieur ou égal à delta b produit scalaire ρTi. i. Il s'agit de démontrer cette inégalité. D'accord alors, euh, euh, ben, d'abord, euh, c'est vrai par définition de delta B, euh, pardon, de, de dette B, si ρti est le poids dominant euh, d'un facteur irréductible de ρ. Parce que, euh, en fait, c'est comme ça qu'on avait dé défini le caractère DB. Le caractère DB, c'est un caractère qui, en les poids dominants des facteurs irréductibles, coïncide avec delta B. Donc ça veut dire qu'il y, y a égalité dans ce cas-là. Hein euh, donc on a, euh, euh, on a une égalité en ces points-là. Et alors, euh, maintenant, si on prend euh, un autre j qui est l'image par un élément du groupe de Weil d'un tel rotéi, hein, un, un rotéi euh, qui est euh, euh, comme ça, hein, je prends son image par, euh, euh, par euh, euh, l'action du groupe de Weil. Donc dans ce cas-là, on a que rho euh, i moins rotéj. Euh, eh bien, c'est la différence entre le c'est la différence entre euh, un élément dominant est l'une de ces images, un, un caractère dominant est l'une de ces images par l'action du groupe de weyl. donc c'est un poids positif. et on sait par ailleurs que delta b, euh, le caractère modulaire, est un poids dominant. donc on obtient que leur produit scalaire est, euh, le produit scalaire de ce poids dominant et de ce euh, co-poids. Euh, positif et euh, supérieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce que ça, euh, ça me dit ça, ça, ça dit que delta B rho i est supérieur ou égal à delta B rho j. Bon, mais vous savez que delta B rho c'est égal à delta B rho Ti et delta B rho c'est égal à delta B rho j. Donc vous avez prouvé ce que vous voulez. Le lemme est démontré. Euh, voilà, on a ça. Euh, bon, alors maintenant, une fois qu'on a ce lemme, on sait que euh, euh, voyez la fonction euh, la, fo la fonction qui a t associé euh, b de t, delta b de t norme x à la puissance 1,5 donc ceci est, est bien défini sur t bar de fx hein, à valeur euh, dans R plus c'est bien défini et continu sur t bar de fx donc vous voyez que notre, euh, notre euh, ici la, notre norme fait intervenir une fonction qui est bien définie sur t bar de fx Et euh, la, la norme, vous voyez que c'est euh, une borne sur l'intégrale du module de la transformée de Fourier, fois une, euh, une fonction euh, qui est bien définie sur t bar de fx. Mais euh, ici, je suis sur t de fx ou t bar de fx, je peux aussi bien considérer les choses sur euh, t bar e de fx, via euh, l'application vers t bar de fx. D'accord, et maintenant je, 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 ma fonctionnelle linéaire elle devient une fonctionnelle linéaire pour les fonctions là-dessus. Fo bon, et donc la borne que j'obtiens, c'est une borne sur l'intégrale pour un certain poids, de la transformée de Fourier. Mais euh, évidemment, euh, qu'est-ce que ça veut dire que mettre une borne sur l'intégrale de la transformée de Fourier Ça veut dire imposer à la fonction elle-même une condition de régularité en certains points. C'est-à-dire que cette condition qui est une condition globale sur la transformée de Fourier, sur la fonction elle-même, ça devient une condition locale. C'est une condition de régularité. Ce n'est pas du tout une fonction globale. Euh... Maintenant, on a la chose suivante. C'est que pour une fonction... Donc on a ça. Et maintenant... Euh, si je considère donc ma transformée de Fourier écrite pour une fonction fixe, eh bien euh, j'ai que ceci est égal à, au... Donc je regarde l'action des éléments. Oui, ici, je crois que j'avais oublié un signe moins. Moins 1,5. Hein. Donc on a euh, cette. Euh, euh, voilà, on a ceci qui est égal à 1g de qui cx, euh, chapeau, de phi x, de la, donc la fonction fixe euh, x translatée par t. Hein, donc vous la, la, euh, voyez que le, ça, c'est la différence entre la valeur de la forme linéaire sur la fonction. Et la valeur de la forme linéaire multipliée par t. Bon, mais votre euh, euh, fonction euh, fixe, vous pouvez la multiplier par ça, et euh, finalement vous obtenez, euh, quand, quand vous multipliez la fonction fixe par ça, que vous, vous appelez ça phi x, vous obtenez une fonction euh, euh, phi x, enfin une, fonction, une forme linéaire de phi x qui est invariante par ça, invariante par l'action de ce tore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une forme linéaire invariante par l'action d'un tore Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être soit une intégrale, soit une, une intégrale, euh, donc, le, euh, euh, soit l'évaluation en des points qui sont fixés par le tore euh, ici, donc c'est un t qui est un élément de t exposant c. Euh, de t exposant c de fx. Hein, ça peut être soit une intégrale, soit une évaluation euh, le, le, le long de choses, soit quelque chose qui est un peu mixte entre les deux. Euh, mais ici, euh, on sait que la, la seule borne qu'on a, c'est une borne sur l'intégrale de la transformée de Fourier. Autrement dit, c'est une borne qui ne fait intervenir que des conditions locales. Donc, euh, notre... Euh, ici, cette forme linéaire ne peut pas du tout faire intervenir d'intégrale sur les t. C'est nécessairement une évaluation en des points qui sont fixés par tc. Et ça, ça signifie la chose suivante. Voilà. Ça signifie, euh, comme on voulait, que c'est supporté euh, par les points Fixé par, par des points fixés par les t appartenant à t exposant c de fx, et ça c'est quoi C'est la strate euh, indexée, par, euh, indexée par c. Hein, si vous préférez, euh, vous écrivez cette égalité hein, pour une fonction x, hein, euh, Si vous voulez montrer la condition de support, vous prenez une fonction fixe euh, qui, euh, dont le, qui est supporté par une partie compacte qui ne rencontre pas t bar c de fx, et vous, faites, vous, faites, vous écrivez cette égalité, vous faites tendre t vers 0, et vous obtenez que la valeur est nécessairement 0. Alors, donc, le, le, voilà, on a montré la condition de, de, de support, et la. Donc, le maintenant, euh, euh, donc on a montré la, la, la condition de. de de, on a montré le, cette condition de, 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 de support. Et alors, à partir de maintenant, à par, donc le, euh, on va euh, euh, faire l'hypothèse suivante. Euh, C'est que la roue transformée de Fourier, la roue transformation de Fourier, G de fx préserve euh, le tore t de fx au sens que j'avais dit avant. Donc ça veut dire que si on a une fonction unitaire dont, le, qui est, dont la transformée de Fourier est supportée par le tort, alors euh, euh, la, le transformé de Fourier de l'opérateur de multiplication par cette fonction préserve le tort. Hein, donc, euh, ça, ça veut dire la chose suivante. Euh, donc, sous cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse, c'est la propriété qui était apparue euh, la, la semaine dernière euh, dans les calculs. Euh, sous cette hypothèse-là, on a le corollaire suivant. Euh, donc, on suppose, euh, on suppose ça. Hein, Et euh, bah, on considère toujours euh, qui, qui est euh, donc un, un élément d'une face de xt bar, euh, euh, donc, euh, constitué de caractères dominants. Donc on fera toujours cette hypothèse. Hein, qu'on est avec une phase de xt bar constituée de caractères dominants. Euh, euh, voilà, on considère une place quelconque, euh, un élément cx de e qui x. Voilà, donc on est avec cette hypothèse-là. Euh, et euh, maintenant, on considère f1 et f2 euh, donc des fonctions continues. Et de carré intégrable. Euh, donc c'est des fonctions qui vont de G de Fx dans C, euh, reliées par la formule suivante, par la formule transformée de Fourier de F2 égale transformée de Fourier de F1. Que multiplie un G qui CX Donc, euh, on, euh, suppose, euh, on suppose euh, ça. Euh, euh, alors, donc ça, c'est les, les hypothèses. Et euh, alors, on peut en déduire ce qui suit. Alors, pour ça, on a besoin de notation. On va considérer des familles de fonctions sur le tort, associées aux fonctions f1 et f2. Donc, la première famille, c'est à t, j'associe f1 indice uv de t. Alors, qu'est-ce que c'est que u C'est un élément de nb de fx. Qu'est-ce que c'est que v C'est un élément de nb op de fx. Donc, on considère deux choses comme ça. Et on considère f1 de u t v que multiplie le dette b de t x. Puissance 1,5, delta B de T, X, puissance moins 1,5. Voilà. donc Et puis, j'ai la deuxième fonction, F2 de UV de T, qui est définie exactement de la même façon. Donc, le F2 de UTV, fois le delta B de T, X, puissance 1,5, et le delta B de T, X, puissance moins 1,5. Alors, ces deux, le, donc le, le, la, la conclusion du corollaire, sous les hypothèses qu'on a faites, c'est que ces deux fonctions sont reliées par la formule suivante. Eh bien, la transformée de Fourier de f2 uv sur le TOR est égale à la transformée de Fourier de F1 uv sur le TOR que multiplie la fonction 1 qui cx. Donc ça, ça, ça dit euh, exactement que le. Euh, justement, quand alors, par exemple pour euh, ça dit la chose suivante. Déjà, si on prend U et V égale 1, bah, ça dit, ça, ça précise la manière dont les restrictions de F1 et F2 au tort sont reliées l'une à l'autre. Mais en fait, ce n'est pas seulement sur le tort c'est sur tous les translatés du tort à gauche par NB de FX et à droite par NbOP de FX. Donc au point où on en est, la, la, la démonstration est assez facile, là, la, enfin, le résulte de, 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 de l'hypothèse qui a été faite, et cette hypothèse, c'est la propriété euh, qui est apparu euh, la, la, la semaine dernière dans nos calculs, euh, dans le cas de GL2 et des représentations symétriques euh, de GL2 dual. Euh, alors, l'hypothèse, c'est que, donc démonstration, euh, donc il existe un opérateur linéaire U, telle que euh, ben la, la fonction f1 restreinte à t de fx, euh, et la fonction f2 restreinte à t de fx, euh, ben soit euh, donc la, la, disons la, la seconde et l'image de la première par cet opérateur. Hein, c'est notre, euh, notre hypothèse, c'est que la Enfin c'est la, 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 la propriété de la retransformation de Fourier que euh, euh, la restriction de euh, F2 euh, au tort ne dépend que de la restriction de F1 au tort. hein, Donc euh, on suppose ça. Euh, voilà, enfin c'est le. Euh, donc pourquoi on peut supposer ça Enfin pourquoi c'est vrai C'est encore une fois parce que euh, d'une part, euh, la, 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 donc on suppose vérifier la, la, la propriété qui était apparue la semaine dernière que la, la roue la, la transformation de Fourier préserve les torts enfin plus exactement c'est pas la roue transformation de Fourier c'est la, la convolution associée à la roue transformation de Fourier préserve les torts hein, c'est à dire enfin euh, la, 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 la propriété que j'ai dite hein, la, la, et puis la, donc euh, donc d'une part ça, puis d'autre part, on a que la transformée de Fourier de cette fonction est supportée dans le tord. Donc quand on met ces deux choses ensemble, eh bien, on obtient que la restriction de f2 au tord ne dépend que de la restriction de f1 au tort. Voilà, donc on a cette propriété-là. Mais on sait aussi euh, que euh, euh, cette fonction-là, elle est invariante à gauche par nb opposé, cette fonction-là, je rappelle, elle est invariante à gauche par nb hop, et à droite par nb. Donc ça, cette propriété-là euh, entraîne euh, que euh, quels que soient les éléments u et v, euh, si on prend la fonction qui a t associé f1 de U donc cette fonction-là, transformée par l'opérateur U, est égale à la fonction qui a t associé f2 de U T hein, Donc euh, ce que je fais, c'est que j'applique l'assertion précédente. Aux fonctions f1 et f2 translatées à gauche par u et translatées à droite par v. J'ai le droit parce que euh, cette fonction là est invariante à gauche par nb op et invariante à droite par nb. Donc par la, quand on prend les transformés de Fourier, on obtient une invariance dans l'autre sens. Hein, donc euh, donc j'ai cette propriété là pour tous les u et pour tous les v. Euh, bon, mais maintenant, euh, euh, je vois que ici, les fonctions f1 de UV et f2 de... Enfin, f1 indice UV, f2 indice UV, c'est ces fonctions restrictions que j'ai écrites là-bas multipliées par des caractères fixes. Donc, cette propriété-là que j'ai écrite, euh, je peux tout aussi bien dire que euh, ça veut dire que la, la fonction f1 UV, pardon, que la, que la fonction f2 UV, est égal à l'image de la fonction f1-uv par un certain opérateur linéaire u', qui est simplement l'opérateur u tordu par la multiplication par les caractères qui sont là-bas. Donc j'ai cette propriété, et euh, maintenant ce que je sais, c'est que si j'intègre sur le u et le v, euh, et bien je tombe sur les termes constants, et les termes constants... Je sais déjà, c'était l'un des, des, des lemmes ou des, ou des corollaires que j'ai écrits tout à l'heure, ces lemmes constants, je sais déjà, qu'ils sont reliés l'un à l'autre par le fait que euh, leur euh, transformation de Fourier euh, 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 diffère de la fonction 1 qui c'est x. Donc je le sais après intégration sur les u élevés. Donc ça veut dire que l'opérateur U' qui est là, qui est le même pour tous les U élevés eh bien, est, il est égal à euh, l'opérateur euh, transformé de Fourier de la multiplication par un qui c'est x. Autrement dit, ça signifie quoi hein, L'opérateur U', il est nécessairement donné par la condition suivante, c'est que F1 de UV transformé de Fourier sur, le, euh, T, sur T de FX, c'est la transformée de Fourier de F2 de UV que multiplie la fonction. Euh, un qui c'est x. Et ça, c'est l'énoncé euh, de, euh, de la, euh, la proposition. Ou du, du corollaire. Voilà, donc maintenant, on a introduit un certain nombre euh, d'espaces, de, euh, de, euh, un certain nombre de, de fonctions unitaires et euh, je voudrais euh, montrer euh, que euh, les propriétés qu'on a, qu a écrites euh, en fait le, euh, ont euh, des conséquences euh, euh, d'abord pour définir euh, des espaces de refonction et ensuite pour, euh, 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 ensuite, la, 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 pour établir une formule de poisson euh, comme on veut. Alors, donc c'est le paragraphe 3, espace de roue fonction. Alors euh, euh, donc euh, on va faire euh, une hypothèse supplémentaire. On suppose que le cône XT bar euh, contient une face C euh, qui vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, elle est définie sur F. Donc ça veut dire euh, stable par l'action du groupe de Galois. Alors par exemple, si votre groupe est déployé, cette propriété est vide, il n'y a pas d'action du groupe de Galois. Euh, deuxièmement, elle est constituée de caractères dominants. Euh, et euh, la troisième euh, propriété, c'est qu'elle n'est contenue dans aucun sous-espace propre euh, de XT, euh, donc le, le Q espace vectoriel arrosé, a, associé au réseau XT, aucun sous-espace propre de ça, euh, stable par l'action du groupe de Weyl. Donc on fait ces trois propriétés, on, ces trois hypothèses sur C. Alors le, une, euh, une remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que ces, ces trois propriétés euh, sont vérifiées. Il existe une telle phase C. Euh, euh, donc c'est vrai. Euh, si euh, par exemple G est déployé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'action du groupe de Galois, hein, il, euh, il suffit de prendre les... Euh, Là, il suffit de prendre par exemple l'arête euh, engendrée par un poids dominant euh, d'une représentation qui n'est pas un caractère, d'un facteur irréductible de la représentation qui n'est pas un caractère. Euh, donc c'est vrai si G est déployé, ou bien plus généralement si G euh, est euh, déduit par restriction des scalaires à la veille de F' à F euh, d'un groupe euh, G' avec G' déployé, groupe réductif, déployé sur F'. Hein, donc dans ces, en particulier dans ces, dans ces, ces cas-là, l'hypothèse est vérifiée, il existe une telle face C. Alors, euh, d'abord, on a le, le lemme suivant. Euh, donc, on considère une telle face C. Euh, alors, euh, d'abord, euh, on a euh, évidemment que le sous-réseau de XT euh, engendré par C et C transformé par l'action euh, du groupe de Weyl, euh, ce sous-réseau est d'indice fini. Autrement dit, c'est presque le réseau tout entier. Hein, donc, le... donc ça veut dire que le, euh, il est égal euh, euh, à l'ensemble des caractères qui de Xt, tels que qui égale 1, sur un certain euh, sous-groupe ZC. Donc ça, c'est quoi C'est un sous-groupe fini euh, du centre de G. Voilà. Hein, donc, euh, euh, donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que euh, maintenant, on va considérer toutes les coordonnées qui F. Euh, donc c'est des coordonnées définies sur G bar divisé par NB à droite et par Nb à gauche, qui vont donc vers leur, euh, leur domaine naturel. On considère toutes ces machins euh, pour, euh, 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 pour qui appartenant à C. On considère toutes ces, tout ces, ces choses-là et leur translater. À droite et à gauche par des éléments de G de F. Donc on fait cette hypothèse là. Euh, euh, toutes ces coordonnées euh, euh, ces coordonnées engendrent. l'algèbre de structure de G bar divisé par ZC. Alors évidemment, euh, ces coordonnées ne voient pas ZC parce que les caractères qui de la face C et, euh, euh, sont triviaux sur ZC. Mais ce que dit l'assertion, c'est euh, en fait, elles engendrent, euh, elles, euh, enfin c'est vraiment la seule chose qu'elles ne voient pas. Hein, ces, ces, euh, ces coordonnées euh, permettent de distinguer tous les éléments des uns des autres le, à partir du moment où ils ne sont pas images l'un de l'autre par, par translation, par un élément de ZC. Donc, euh, on suppose euh, euh, qu'on a ça. Euh, enfin, pourquoi je dis on suppose euh, Donc, on a cette. Euh, euh, cette, euh, cette propriété. Euh, euh, voilà. Euh, donc, autrement dit, que les coordonnées, ces coordonnées-là qu'on a considérées, plus leur, tout leur translaté à gauche et à droite, sont suffisantes pour distinguer des uns des autres les points de G bar, modulo l'action de, ce, de cette petite chose-là, euh, ZC. Alors. Euh, maintenant, venons-en à, à la question de l'espace des rofonctions. fonctions On voudrait définir un espace de ρ-fonctions sur g de fx. Alors, qu'est-ce qu'on lui a demandé jusqu'à présent On lui a demandé, lui a demandé euh, euh, premièrement, euh, stable. Par translation. Il doit être stable par translation. À gauche et à droite. Deuxièmement, il doit être stable par la transformation de Fourier. Hein, donc euh, bien sûr, ici on considère une place ultramétrique. Hein, C'est en les places ultramétriques que se pose le problème de la définition d'un espace de Rho-fonction. Donc il doit être stable par la translation, stable par la transformation de Fourier. Et euh, enfin. Euh, 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 donc sa composante, la, de, la dernière propriété, c'est sa composante de type torique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les roues fonctions dont la décomposition spectrale ne fait apparaître Que des représentations induites du tort, induites de caractère du tort, et euh, éventuellement leur sous-quotient. Hein, donc, euh, la, 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 la donc la troisième propriété, c'est que sa composante de type thorique, euh, c'est-à-dire ces, ces fonctions-là, euh, est déjà prescrite. à cause de la compatibilité avec le, le passage au terme constant, et du fait qu'on sait déjà ce que c'est qu'une rotée fonction sur le tord. Donc on a ces trois propriétés, et euh, maintenant on peut proposer la chose suivante, compte tenu de ce qui précède, on a, donc euh, voilà, l'idée que j'ai introduite est la suivante, c'est de demander à cet euh, espace de refonction une, Quatrième propriété, de demander à l'espace de refonctions une quatrième propriété, c'est je demande qu'il soit stable par multiplication par les fonctions 1G qui cx avec pour, ou euh, qui décrit un élément arbitraire de la face c. J'introduis cette, euh, cette propriété. Si vous vous rappelez sur le, ce que j'avais dit au début euh, du, du, du cours d'aujourd'hui, euh, dans le cas des tors, lorsque g est un tors, lorsqu'on est sur t, euh, eh l'espace des refonctions est stable par les, par les fonctions 1 qui cx. Et puis, euh, la, euh, voilà. Euh, la, et euh, maintenant, on a aussi, enfin là, voilà, donc on, on, on peut proposer d'introduire cette propriété supplémentaire. Euh, euh, et euh, euh, mais alors, là, on va s'apercevoir très vite que si on met cette condition supplémentaire, il y a une seule façon de définir l'espace des refonctions. L'espace des refonctions avec cette condition-là est entièrement déterminé. Alors pour ça, on a besoin d'un lemme. Euh, donc on considère toujours notre face C qui est définie sur F, constituée d'éléments dominants et génératrices hein, au sens précédent. Et. Euh, 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 donc, euh, on se considère une place arbitraire. Et alors, on a la. la, 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 la D'abord, la, la première chose, c'est qu'un espace de refonction qui satisfait les conditions requises. Alors, euh, les, les conditions requises. Dans le problème 2 de, euh, de euh, l'exposé 1, hein, il y avait une liste de conditions. Si je me rappelle bien, il y avait 7 conditions. Donc, un espace de refonction qui satisfait les conditions requises est co nécessairement constitué de fonctions euh, supportées. Par des parties compactes de g-bar. Alors, c'est des fonctions sur g de fx, mais euh, qui sont supportées par des parties compactes de g-bar de fx. Donc, ça, ça résulte simplement de la forme des fonctions L. Hein, le, le, les rho fonctions ne sont pas nécessairement à support compact dans g, parce que dans leur décomposition spectrale, on autorise des dénominateurs qui sont les fonctions L. Mais la forme des fonctions L implique exactement ça. Hein? Donc, euh, voilà, donc ça c'est la première condition. Et alors euh, maintenant, on a la chose suivante. C'est que euh, demander qu'un espace de fonctions de g de fx vers c, alors des fonctions dont on suppose qu'elles sont toutes supportées, euh, par des parties compactes de g bar de fx. Donc, demander qu'un tel euh, espace soit stable par multiplication euh, par les fonctions 1g qui cx de g bar de fx. Dans le cercle unité, donc demander qu'il soit stable par ses opérateurs de multiplication et par leur translaté à gauche et à droite. Donc demander qu'il qu soit stable euh, 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 par euh, euh, à gauche et à droite par des éléments de g de fx équivaut à demander... Euh, qu'il soit stable par multiplication par les fonctions localement constantes à support compact de g bar de fx. Euh, dans C qui se factorise à travers ZC c'est équivalent hein, pourquoi c'est parce que les, les fonctions que j'ai ici les qui f engendrent la jette de toutes les coordonnées donc euh, demander euh, c'est à dire n'importe quelle fonction euh, localement constante euh, euh, sur un certain support compact euh, euh, s'écrit en fait comme une combinaison linéaire de ces fonctions là et de leur translater à gauche et à droite, ça dit exactement ça. Hein? Donc demander d'être stable par ces fonctions, c'est demander d'être stable par toute l'algèbre des fonctions localement constantes à support compact. Donc compte tenu de ce fait, si l'on demande à l'espace des raw fonctions d'être stable la condition que j'ai rajoutée ici d'être stable par multiplication par ces opérateurs et eh bien la seule définition possible de l'espace des fonctions c'est la suivante une fonction fx de g de fx dans c donc cette définition que je propose est une refonction euh, si et seulement si. Premièrement, elle est invariante à gauche et à droite par un sous-groupe ouvert compact de g de fx. Bon, ça de toute façon c'est dans la définition de n'importe quel espace de refonction qu'on veut. Deuxièmement, elle est supportée par une partie compacte de g bar de fx. Et troisièmement, pour tous éléments g prime appartenant à g de fx, et pour toute fonction 1x... Sur g bar de fx, bon, qui est invariante par zc, à valeur dans c, et qui est localement constante à support compact. Donc pour toute fonction comme ça, eh bien, le terme constant associé. Alors, donc, euh, le terme constant, il faut toujours euh, multiplier par le caractère de normalisation habituel, donc le D b à la puissance 1,5, ensuite le delta b à la puissance moins 1,5, l'intégrale sur nb de fx du, de fx de g, ut t, g', et puis là, je mets une fonction. Euh, arbitraire, je mets la fonction arbitraire 1x. J'ai pris pour un x n'importe quelle fonction localement constante à support compact sur g bar. Et donc je mets une condition sur le terme constant de la fonction fx. Vous voyez le terme constant ça veut dire qu'on intègre sur les u. Mais là, en plus, je m'autorise à multiplier par une fonction localement constante à support compact sur g bar arbitraire. Voyez, si on n'avait pas ça, ça serait le terme constant en sens habituel, et le terme constant en sens habituel ne voit que la partie torique des fonctions. Mais comme on multiplie par ce poids, qui est une fonction euh, localement constante à support compact, comme on multiplie par ce poids, eh bien, j'ai ici une condition beaucoup plus forte, qui est une condition sur qui voit tout le spectre de, 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 dans les décompositions spectrales. Pourquoi C'est parce que les opérateurs de multiplication par ces fonctions, bien sûr, ne préservent pas la décomposition spectrale. Ils mélangent les parties du spectre. Or, moi, ce qu'on enfin, ce, ce, ce qu a, c'est qu'on veut définir l'espace des re-fonctions. On le connaît pour la partie torique, c'est-à-dire la partie spectrale qui provient des caractères du tore, et on voudrait le définir partout. Donc, pour ça, une idée, c'est de demander qu'il soit stable par des opérateurs qui mélangent les différentes, dé les différentes décompositions spectrales. Donc l'idée, c'est de, de demander que ce soit stable par ces opérateurs, et donc la condition qu'on trouve est celle-là. Donc voilà la définition euh, qu'on euh, propose euh, pour euh, l'espace des fonctions. Alors bien sûr, euh, pour... Euh, 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 pour... Euh, que cette définition est un sens, le, euh, il faut que le, cet espace des refonctions réponde aux conditions euh, du, problème, euh, du, de, de, du problème 2 de l'exposé 1. Hein? Alors, bon, euh, euh, alors, le, donc je vais euh, poser ça comme un certain, comme euh, le, le, une liste de, de plusieurs conjectures. Mais quand je dis conjecture, c'est des choses euh, euh, qui en fait sont, euh, disons, en cours de démonstration, euh, au, moins, enfin, au, moins, au moins dans le cas de GL2, hein, le cas que je regarde d'ailleurs d'abord. Alors, euh, d'abord, de quoi a-t-on besoin Vous considérez deux fonctions. Vous, vous, vous avez d'abord besoin de la stabilité euh, par. Euh, vous voyez, vous voulez que l'espace des refonctions soit stable par la transformation de Fourier. Il est déjà stable par les opérateurs de multiplication par ses fonctions. Donc, ça, c'est par définition. Il est stable par, ses, par, le, par les opérateurs de multiplication par ses fonctions. Mais s'il est aussi stable par la transformation de Fourier, il doit être stable par les transformés de Fourier de ses opérateurs. Alors, ça, ça c'est la, la propriété suivante. Quelles que soient deux fonctions, f1 et f2, de G de FX dans C, euh, relié par euh, les formules suivantes, c'est-à-dire transformé de Fourier de F2 égale transformé de Fourier de F1, que multiplie euh, une fonction euh, comme ça, avec qui appartenant à C, euh, alors si f1 est une ro fonction, ça implique que F2 est une ρ fonction. Autrement dit, c'est la stabilité par les transformés de Fourier des opérateurs de multiplication par ces fonctions. Alors, euh, j'appelle bon, ça une conjecture, mais euh, en fait, je dis que la démonstration est en cours, et bien sûr, la, euh, pour la démonstration, euh, on doit se servir. Euh, de euh, la propriété euh, qu'on avait écrite euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on forme les fonctions f1 de UV et f2UV de tout à l'heure. Donc je vous rappelle que c'est f1 de UTV, f2 de UTV, euh, multiplié euh, par les, euh, les caractères de torsion habituels, et on sait que ces deux fonctions sont reliées pour tout U et pour tout V. C'est relié par la formule que la transformée de Fourier de F2UV est égale à la transformée de Fourier de F1UV que multiplie le caractère, que multiplie la fonction 1 qui cx. Donc ça veut dire que la fonction f2UV et la fonction f1 uv sont reliées, enfin la, donc celle -ci, la fonction f2 uv est l'image de f1 uv par la transformée de Fourier de l'opérateur de multiplication par cette fonction. Mais je sais que sur le tor, cet opérateur préserve les fonctions Donc ça veut dire que si. La, 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 voilà, donc je sais que j'ai cette propriété sur le tor pour tout u et pour tout v. D'accord Et euh, donc c'est cette propriété-là qui permet de travailler individuellement sur les tor et qui doit permettre euh, de respecter euh, la, la propriété de définition. Vous hein, voyez qu'ici, vous pouvez euh, fixer u. Hein, ça, ça doit permettre de respecter la. Prop... Vous pouvez fixer U et ici vous avez un, un T, mais la, la fonction 1x de T, c'est une fonction localement constante à support compact comme, comme fonction de T. et On sait que quand on est sur le tor, la multiplication par ces fonctions préserve l'espace des fonctions. Donc on peut on, a, on peut travailler sur le tor. Hein, le, et euh, voilà. Euh, donc, le, on a ceci qui, pour le, le, le moment, est encore une conjecture, mais je répète, en cours de démonstration dans le cas de GL2. Euh, voilà. Donc ça, euh, c'est la première propriété dont on a besoin pour que notre espace de refonction euh, soit le, le bon. Euh, mais, euh, bien sûr, il euh, y a une autre propriété dont on a absolument besoin. Euh, C'est non seulement que l'espace des refonctions soit non trivial, vous voyez, quand, quand je regarde cette définition, euh, ici j'ai des conditions qui paraissent extrêmement restrictives. Donc, euh, le, parce que ici j'ai mis des poids arbitraires. Donc, euh, par exemple, quand je mets dé, cette définition, il n'est même pas clair a priori que euh, cet espace est non nul. Mais -ce en fait, on veut beaucoup plus que ça on veut que sa composante de type torique soit la, la bonne. Donc on veut... Euh, euh, donc c'est la, la, la deuxième conjecture, elle aussi en, en cours de démonstration, dans le cas GL2. Euh, euh, donc la, la, la conjecture dit la, la, la chose suivante, je prends une fonction fx, de G de Fx dans C euh, qui est de type torique. Alors bien sûr, je la prends en vérifiant déjà euh, invariante à gauche et à droite par un sous-groupe ouvert compact, supporté par une partie compacte de g bar de fx. Bon, déjà je prends ça. Je suppose qu'elle est de type torique, et alors ce qu'il faut de, de démontrer, c'est que alors fx est une fonction dans ce cas-là, pour une fonction de type torique, si et seulement si, euh, pour tout g g', la fonction sur le tor bah, qui, asso qui associe euh, le terme constant euh, au, au sens habituel, donc euh, enfin, c'est du delta b euh, de t x puissance 1,5, delta b de t, donc le, enfin le facteur de normalisation habituel, l'intégrale de du fx de g ut g', nb de fx euh, est une ro fonction. Donc vous voyez que pour les fonctions de type torique, ici je suis en train d'écrire une condition beaucoup plus faible, parce que là je m'autorise à multiplier par n'importe quelle fonction localement constante à support compact sur g bar. Et là, je ne multiplie pas. Donc ça veut dire que la condition ici, elle est beaucoup plus faible que celle-là. Et donc la conjecture, c'est que quand on a une fonction de type torique, c'est-à-dire une fonction euh, dont la, la décomposition spectrale ne fait apparaître que des induites de caractère du tore, alors être une euh, re-fonction en ce sens-là, c'est équivalent à être comme ça. Donc c'est la, la, la deuxième conjecture pour que notre définition soit, soit bonne. Et alors ici, là, évidemment, il y a une remarque très importante qu'on doit faire. Donc la remarque très importante, c'est que euh, euh, cette, pour que cette conjecture, euh, euh, cette conjecture demande a priori. Euh, enfin, elle exprime, elle exprime, a priori, des conditions très fortes sur, euh, euh, sur euh, roté, euh, roté comme, euh, de comme homomorphisme de TE dans T, ou euh, ce qui est équivalent euh, sur euh, roté, euh, c'est-à-dire l'homomorphisme de T chapeau dans TR chapeau, égal C fois puissance R. Hein, cette propriété-là ne dépend, pour la formuler, euh, que de, de Roté. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'utilise que Roté, n'utilise pas la représentation Rho elle-même. Plus exactement, la seule propriété de Roté de, de Rho qu'on a utilisée, c'est l'invariance par le groupe de Weyl Mais jusqu'à présent, on s'est servi nulle part du fait que Roté provient d'une représentation du groupe dual. donc euh, ce que euh, ce, on doit penser, c'est que c'est ici qu'intervient l'hypothèse euh, que euh, Roté provient d'une représentation ρ du groupe dual. Ce n'est pas seulement une représentation du torse, c'est une représentation du groupe dual tout entier. Donc ce qu'on doit penser, c'est ça. Et euh, la, donc là aussi, pour cette conjecture comme pour la précédente, le, euh, disons, le, bon, il, enfin ce n'est pas encore fait euh, complètement, mais euh, c'est en cours de démonstration dans le cas de, de GL2 et des puissances symétriques de GL2. Euh, voilà. Alors, euh, quoi qu'il en soit, euh, reprenons le cours des choses et euh, supposons que ces euh, deux conjectures sont bien vérifiées. Et alors à partir de là, euh, on a le corollaire conditionnel suivant. Donc si euh, les deux conjectures euh, sont bien vérifiées, euh, alors l'espace des fonctions, au sens que j'ai défini euh, il y a quelques minutes, euh, satisfait toutes les conditions. Euh, du euh, problème 2 de, euh, de euh, l'exposé 1. Euh, le, en particulier, euh, euh, ça connaît, donc il, est, il est stable par la transformation de Fourier, sa connaissance et celle de la, sa tra transformation de Fourier euh, équivalent à celle de facteurs. L et epsilon pour toute représentation du spectre de G en la place X. Donc si cette euh, définition est bonne, enfin, le, le, elle contient une définition des facteurs L et epsilon pour ρ arbitraire. Donc bien sûr, le, tout ça est... Euh, et conditionnel à plusieurs choses. Et en fait, le point le plus important, c'est la propriété qui était apparue la semaine dernière sur la stabilité du tore par le produit de convolution associé à la retransformation transformation de Fourier. Donc si le calcul que, que j'ai formel jusqu'à présent, ou en partie formel, que j'ai fait est correcte, si cette propriété est vérifiée, euh, tout ce que j'ai dit euh, a un sens, on devrait aussi pouvoir démontrer ces deux conjectures et en déduire en général une définition de facteurs L et Epsilon locaux sans restriction. Voilà. Euh, bon. Euh, donc ça, c'est en les places euh, ultramétriques. Et, euh, en les places archimédiennes, on n'a pas besoin de travailler parce que les, les facteurs l et epsilon sont déjà connus. Donc on, on va simplement décider d'agrandir de, l'espace des fonctions pour, euh, donc le, le, autant qu'on a besoin, euh, pour qu'il soit stable par multiplication par les fonctions 1 euh, euh, qui c, 1 qui c x. Euh, et par la transformation de Fourier et puis par translation à gauche et à droite donc euh, le, voilà on prend l'espace le, le, le enfin, engendré euh, par euh, celui qui est donné a priori classiquement euh, et euh, par ses opérations hein? et donc c'est des fonctions euh, le, sur, le, enfin, sur lesquelles malgré tout on garde un contrôle en termes de décroissance rapide de choses comme ça, donc toutes les intégrales gardent un sens ceci n'est pas un problème et on n'a pas besoin de le définir parce que on n'a pas besoin de, de donner plus de détails parce que euh, en les places archimédiennes, les facteurs gamma et les facteurs epsilon et l sont déjà définis. Hein, donc le problème des facteurs l et epsilon c'est vraiment un problème en les places euh, finies. Alors euh, pour terminer, euh, je voudrais revenir euh, euh, évidemment à la conclusion qui est euh, la formule de Poisson. Encore une fois, euh, le, euh, en supposant que euh, tout ce qu'on a dit avant euh, est correct. Donc Maintenant on passe sur les adèles. Hein, on, a, on a une notion de rho-fonction sur g de fx en toute place x, donc on a une notion de rho-fonction globale sur g des adèles. Hein, C'est simplement les, les combinaisons linéaires de produits de ro fonction euh, qui en presque toutes les places ont la refonction fonction standard, qui est bien définie. Euh, donc cet espace, il est stable par translation par gauche et à droite. Hein, il est stable par euh, les translations, par multiplication euh, par les, euh, les, ces opérateurs-là. Donc ici, qui, c'est un élément de C. Et petit c, c'est un élément de, des adèles de E qui. Hein, euh, et puis, il est stable par la transformation de Fourier globale. Qui est simplement le produit des transformations de Fourier locales. Et donc, il est également stable par les, les transformés de Fourier de ces opérateurs. Hein euh, voilà. Alors, euh, euh, bon, euh, maintenant, on a cet espace de refonction, et on voudrait définir dessus euh, un, une fonctionnelle de Poisson. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait dans, il y a deux semaines, dans le cas des tors, euh, on avait introduit une sorte de formule de Poisson approchée. Donc la formule de Poisson approchée, c'était quoi C'était en quelque sorte une formule de l'intégration après intégration le long du radical unipotent. C'est-à-dire qu'on avait une, euh, introduit une certaine fonctionnelle euh, que, qui s'écrivait de la manière suivante c'est la, la somme avec gamma appartenant à g bar sur nb. De f de l'intégrale sur nb de a euh, du de f de u gamma. Voilà, donc ça c'était la première. Et puis la deuxième euh, qu'on avait introduite, c'était la. Donc ici, vous voyez, on a intégré le long, pour les u à gauche. Et la deuxième, c'est la même chose, mais on intègre à droite. g bar sur nb de f intégrale sur nb de a. De du f de gamma u-1, u-1, euh, euh, voilà. Hein? Euh, donc c'est des choses entre guillemets, parce que ce n'est pas des évaluations en des points, c'est des choses un peu plus subtiles que des évaluations en des points. Mais à partir de la formule de Poisson sur le tort qui elle-même n'est pas constituée d'évaluations sur les points, on peut construire euh, des fonctionnels de Poisson euh, sur les, euh, le, le groupe G. Alors voyez par exemple celle-ci, euh, comme la notation l'indique, elle est invariante à gauche par NB de A et elle est invariante par, à droite par G de F. Celle-ci est invariante à, à gauche par G de F et elle est invariante à droite par, euh, par NB de A. Hein, donc c ces deux choses-là, on peut les appeler, par exemple la première, je l'appelle P1 de F et la deuxième, je l'appelle P2 de F. Et on avait la formule de Poisson que on a toujours P1 de F égale P2 de F chapeau. Donc c'est formule de poisson approchée. Une formule de poisson après moyennisation le long du radical unipotent. Alors bien sûr, c'est une formule de poisson qui ne voit pas du tout tout le spectre automorphe, elle ne voit que les séries d'Eisenstein. Mais on avait ça. Alors à partir de là on va suivre exactement la même ligne de raisonnement que euh, pour définir euh, l'espace des rho fonctions euh, locales donc l'espace des rho fonctions il avait été défini en imposant la condition supplémentaire d'être stable euh, par multiplication enfin la, par les fonctions 1 qui euh, Cx. Bon alors euh, maintenant, je vais demander la chose suivante, donc c'est une conjecture. Première partie, donc il existe une unique, donc il y a deux assertions, il y a l'existence et l'unicité, une unique forme linéaire f flèche, alors voilà, ça c'est la forme linéaire cherchée. Hein, euh, donc ici, euh, ça c'est une rau fonction globale arbitraire sur G de A, donc une unique forme linéaire telle que elle vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, elle est invariante à gauche et à droite par le groupe G de F, comme il est naturel. Euh, deuxièmement, euh, en moyenne, c'est la bonne fonction. C'est-à-dire que euh, euh, pour toute fonction f, on a que l'intégrale sur nb de a divisé par nb de f du de euh, cette somme-là, cette euh, fonctionnelle de poisson-là, f de u gamma. Vous voyez, vous prenez simplement les translatés de la fonction F à gauche, alors eh bien, cette chose-là, c'est ce que j'ai déjà défini ici. Donc c'est le, le P1 de F. P1 de F. Donc je demande que en moyenne, je retrouve celle que je connais déjà. Et puis la troisième propriété, c'est qu'elle est invariante par multiplication par les fonctions. 1, g qui c, où qui est un élément arbitraire de la face C, et petit c est un élément de E qui, donc par ces fonctions-là, et par ces fonctions-là, et par leur translaté à gauche et à droite par des éléments De g de f. Alors, pourquoi est-ce que je demande cette propriété Eh bien, pourquoi est-ce qu'il est naturel, ou assez naturel, de demander cette propriété C'est parce que, malgré tout, cette chose-là, même si ce n'est pas exactement cette forme linéaire qu'on cherche, même si ce n'est pas exactement une évaluation, ça y ressemble beaucoup. Or, ici, les fonctions 1, g qui c, elles vérifient la propriété suivante c'est que j'ai 1, g qui c. De gamma égale 1 quelques, pour tout élément de g bar de f. Donc vous voyez que si, par exemple, cette fonction là était une vraie évaluation, la propriété que je demande était, serait complètement évidente. Hein? En fait, ce n'est pas exactement une évaluation, mais on a vu que dans le cas des torts, dans le cas de t, de la formule de Poisson sur t, cette propriété là est vérifiée. Donc puisqu'on on l'a sur les torts, pourquoi ne pas la demander aussi euh, sur le groupe. Donc on demande cette propriété et on dit euh, que euh, euh, voilà, il existe une unique forme linéaire vérifiant cette propriété. Alors pourquoi l'unicité euh, ben, Ça doit provenir euh, du fait suivant, c'est que... Euh, 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 L'unicité, ça doit provenir du, du, du fait suivant. Voyez, quel est le, le... le problème C'est de passer d'une moyenne sur nb de a divisée par nb de f à euh, une somme sur les éléments de nb de f. Or, qu'est-ce qu'on a ici On a la propriété suivante c'est que euh, su, euh, supposons qu'on ait un u appartenant à nb de a. Tel que, quel que soit gamma, gamma prime appartenant à G de F, on est que le 1G qui C de gamma U gamma prime égale à 1, donc c'est quel que soit gamma prime et quel que soit qui appartenant à C, quel que soit petit c appartenant à E qui. Donc on suppose qu'on a ça. Alors, ça implique, ceci implique que U est un élément de NB de F. Autrement dit, la, 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 la condition de valoir 1 sur les éléments, euh, euh, en fait, euh, singularise complètement les éléments rationnels. Donc quand on prend des intégrales sur des combinaisons linéaires de, de fonctions comme ça, ça doit permettre de euh, remplacer la somme qui est là. Euh, le, la, de remplacer l'intégrale qui est là par une somme discrète. Euh, donc euh, voilà, on a euh, cette euh, première partie de la conjecture. Et euh, euh, alors, euh, là, oui, il y a quand même une deuxième partie qui en fait est euh, également euh, importante. C'est que ici on a pris la moyenne d'un côté, mais euh, on a aussi que si on prend la moyenne nb de a divisé par nb de f de du fois la somme sur les gamma appartenant à g bar de f. De f de gamma u-1. Donc vous voyez, vous prenez la moyenne non plus à gauche mais à droite. Alors, avec les notations qu'on avait introduites, c'est égal à p2 de f. Hein, quand on fait la moyenne de l'autre côté, ça doit vérifier ça. Euh... Et euh, enfin, la troisième propriété, c'est que euh, on, on doit avoir euh, la somme. Cette somme-là est égale à une vraie somme sur les gamma appartenant à g de f de f de gamma euh, si f en au moins une place euh, se factorise de cette manière-là avec ceci à support compact dans g de fx. Donc dans la conjecture, on met ces propriétés-là. Alors. Euh, pour démontrer cette conjecture, le, donc là aussi, c'est des, euh, des choses que je n'ai pas faites complètement, mais quand même euh, pour lesquelles il y a un, en quelque sorte, le, le, enfin, des arguments qui ne, nous, nous tendent les bras. Euh, 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 ben c'est le, 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 le fait que euh, euh, on sait que la, les, 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 les opérateurs euh, sur le tord, sur T2A, les opérateurs qui a phi associent phi que multiplie euh, 1 qui c euh, préservent euh, la fonctionnelle de poisson. somme avec gamma appartenant à t bar de f de f de gamma. Voilà. Euh, donc le, on sait que ça c'est vrai pour n'importe quelle fonction φ sur le tor. Et le, évidemment, pour démontrer cette conjecture, il faut utiliser ça. Alors, euh, maintenant, il y a une deuxième conjecture, le, euh, qui est la, 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 la chose suivante, c'est que la forme linéaire, donc définie par la conjecture précédente, gamma appartenant à G-bar de F des F de gamma, euh, cette forme linéaire est, non, est invariante non seulement euh, par les opérateurs de multiplication euh, par les euh, les, euh, les fonctions inquisées, euh, euh, mais aussi par leurs euh, transformés de Fourier, les transformés de Fourier de ces opérateurs. Donc euh, que je peux noter euh, un G qui c de cette manière-là. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer euh, démontrer cette conjecture ben, Par le fait que ces opérateurs-là préservent les torts, comme on a dit. Et euh, la, donc tout à l'heure, ça veut dire, si on introduit à partir de f les fonctions f, u, v, tout à l'heure, ben, pour tout u, pour tout v, euh, cette fonction-là restreinte aux éléments de la forme utv se déduit de celle-là restreinte aux éléments de la forme utv. Et euh, la propriété qu'on cherche est connue sur les torts. Donc euh, on peut espérer démontrer cette conjecture sur le groupe à partir de la conjecture connue sur les torts. Euh, là, voilà, donc euh, là aussi euh, euh, disons, c'est... Euh, euh, J'ai envie de dire à la fois en, en cours de démonstration, puis de toute façon, euh, c'est fondé sur... Euh, 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 la validité de, de, de tout ce qui a été dit avant. Et le point essentiel, encore une fois, euh, c'est euh, la propriété euh, de stabilité des torts par convolution hein, qu'on a vu apparaître la dernière fois. Et donc tout l'exposé d'aujourd'hui est fondé sur ça. Si ça n'est pas vrai, euh, évidemment, euh, tout euh, s'effondre. Euh, euh, donc, le... Euh, voilà. Euh... Euh, alors maintenant, supposez que vous ayez ces deux conjectures, et alors, euh, voyez que cette, vous avez... Maintenant, regardez cette conjecture. Et prenez, vous avez une certaine forme linéaire sur l'espace des ρ fonctions globales, et vous supposez que, que euh, euh, donc cette, cette forme linéaire est stable par euh, les, les transformés de Fourier des opérateurs de multiplication. Donc ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si je prends la transformée de Fourier de cette forme linéaire, autrement dit son composée avec la transformée de Fourier, et eh bien ce que j'obtiens, c'est une forme linéaire qui est stable par multiplication par ses opérateurs. Donc elle vérifie la même propriété, les mêmes propriétés que, que celles qui définissent euh, cette forme linéaire. Vous voyez, vous avez deux formes linéaires. A priori, vous avez la forme linéaire somme avec gamma appartenant à g bar de f, euh, voilà, cette forme linéaire-là, d'une part, et puis d'autre part, vous avez la même. Composée avec euh, la transformation de Fourier. Donc celle-ci est, est, est respectée par la multiplication par les 1g qui c'est. Euh, celle-ci, mais elle est aussi respectée par les transformées de Fourier de ces opérateurs de multiplication. Donc ça signifie que si je la compose avec la transformée de Fourier, la nouvelle forme linéaire que j'obtiens là, est stable par les opérateurs de multiplication. Donc ces deux transformés de Fourier sont stables par les opérateurs de multiplication. D'accord Et d'autre part, si je fais les moyennes sur le radical unipotent, nb de a divisé par nb de f, eh bien j'obtiens la même chose. Pourquoi Parce que là, l'équation que je trouve, c'est P1 de f, Égale P2 de F chapeau, avec mes notations de tout à l'heure. Quand je fais les moyennes sur le radical unipotent. Donc, j'ai que ces deux choses-là, a priori, sont stables par les opérateurs de multiplication, si je crois aux conjectures précédentes. Et ces deux formes linéaires ont la même moyenne. Donc, d'après la propriété d'unicité dans la première conjecture, elles sont égales. Donc, c'est. Euh on peut appeler ça euh, corollaire conditionnel. Alors conditionnel à quoi euh, Conditionnel aux deux conjectures précédentes et à tout ce qui précède, c'est-à-dire beaucoup de choses. Euh, et donc le corollaire conditionnel, c'est quoi C'est que euh, quel que soit f. La forme linéaire d'évaluation enfin, entre guillemets sur F est égale à la forme linéaire d'évaluation entre guillemets pour F chapeau. C'est la formule de Poisson. Euh, voilà. Euh, donc le, alors, euh, tout ça, je le répète, est très euh, conditionnel. Hein, je ne prétends pas du tout... Euh, euh, je n'annonce rien du tout. Euh, euh, j'ai raconté, euh, donc j'ai fait l'exposé d'aujourd'hui pour expliquer que la, la propriété que j'ai introduite la, la, la dernière fois, qui apparaissait dans les calculs, euh, la propriété de stabilité du tort par produit de convolution, est une propriété euh, susceptible d'avoir des conséquences très importantes et qui donc euh, mérite d'être étudiée. Voilà. Euh, donc, le, le, euh, je, je, euh, je pense que, le, enfin, pour moi, la question essentielle, c'est vraiment de, de savoir si cette propriété euh, est vraie ou pas. Euh, si elle est vraie, euh, je pense que tout le programme que j'ai expliqué aujourd'hui pourra être réalisé. Euh, si elle est fausse, euh, en revanche, le, bien sûr, euh, tout ce programme euh, s'effondre. Euh, donc la, la priorité, c'est vraiment d'étudier euh, cette, euh, cette propriété. D'abord, euh, comme je l'avais dit la semaine dernière, euh, euh, dans le cas de GL2 et des représentations symétriques, euh, des puissances symétriques euh, de GL2 chapeau, euh, d'abord en commençant par euh, le carré symétrique hein, le, le, de GL2 dans GL3. Si déjà, euh, dans ce cas-là, tout ce que j'ai expliqué euh, la dernière fois euh, euh, marche bien, euh, c'est-à-dire si on peut vérifier toutes les, 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 les propriétés de convergence et d'échange des intégrales que j'avais supposées. Euh, on pourra avoir de, 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 enfin, des espoirs raisonnables pour cette propriété. Si en plus euh, c'était vérifié, euh, si en plus était vérifié euh, pour les puissances symétriques d'ordre k arbitraire, euh, pour GL2, euh, honnêtement, euh, je, je pense que euh, ensuite, le, ce serait, euh, euh, enfin, ça devrait être possible de de passer au cas général. Si c'est vrai pour les puissances symétriques de GL2, le, je, je, euh, je parie que le, le, dans le cas général, ça serait vrai aussi. Euh, voilà, donc la question euh, posée aujourd'hui est vraiment euh, pour GL2, euh, donc euh, euh, c'est euh, le programme euh, que je voudrais examiner. Alors comme j'ai dit, euh, les... Euh, au début de l'exposé, comme j'avais écrit, les notes du premier exposé sont déjà sur mon site. Euh, les notes du second, ils seront demain. Euh, euh, celle du troisième, qui finalement est l'exposé le plus important, euh, avec ce, ces calculs formels compliqués, celle du troisième devrait être sur mon site à la fin de la semaine. Et pour celle du quatrième, l'exposé d'aujourd'hui, il faudra attendre quelques semaines, euh, le temps que notre secrétaire euh, euh, revienne de vacances. Euh, donc, ça devrait être disponible euh, début août. Le, euh, mais euh, euh, donc, la, la vidéo sera sur le, sur le, le, le site des vidéos de l'IHES euh, dès euh, de, demain ou après-demain. Voilà. Donc, je m'arrête ici.